Vous êtes prêts? Parce que ça va commencer, il va y avoir le générique. Et après, on va voir ma sale tronche et on va commencer. C'est parti! Oh bah quand même. Bonjour. Et salut. Bonjour. Ouais, j'ai toujours pas rajouté le fondu au noir de cette intro, ça c'est terrible hein, quand même. Il faut que je le fasse et à chaque fois j'oublie. C'est terrifiant parce que... Attendez, c'est une mèche blonde ou c'est que j'ai pas de cheveux? Non, c'est une mèche blonde. Ok. Bonjour. Bonsoir. Oh, oh là là. Dis donc. Elle est pas du tout à jour cette scène. Mais ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas fait une rêve? C'est quoi ce bazar là? Christmas don, c'est n'importe quoi tout ça. Bonsoir. Salut Kamisama, bonjour. Enfin re, oui c'est vrai, bonsoir. Attendez, parce que moi j'ai des... Il y a un truc, il y a un souci là. Qu'est-ce que, pourquoi? Attendez, je vais juste revenir là 2 secondes. Vous allez avoir le petit truc d'intro de d'habitude. C'est juste parce que... voilà, c'est ça que je voulais moi. Hop. Hop. On va afficher ça ici, ce sera très bien. Hop. Et voilà. C'est tout beau. Bah, j'espère que vous allez bien. Ça m'a fait bizarre hier de pas stream, parce qu'en fait, au début, j'avais un truc de prévu, qui en fait s'est annulé. Donc je me suis dit, bah, je vais en profiter pour me reposer, parce que j'ai pas réussi à me remettre dans le bain énergie et tout, parce que je pense que le déménagement, ça m'a fait un changement de... Changement de vie, hein. Enfin, changement de rythme. Je suis pas dans le même environnement, donc moi je suis quelqu'un qui a un peu besoin d'être dans un truc un peu... voilà. Donc j'ai un peu de mal encore à m'acclimater. Voilà. Les déménagements se mettent chaos pendant un moment. Mais je pensais pas que ça allait me mettre autant, tu vois. Genre, je pense pas que j'allais être aussi... au tout début, mais... Après c'est moi, hein, c'est le temps que... Faudrait que je me... Enfin, il y a un truc vraiment... Faut que j'arrête de me trouver des excuses, à faire que je me remette au sport au bout d'un moment. Genre, déjà que je reprenne un rythme normal et que je me remette au sport, potentiellement, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, Rayus? Sport! Le sport! Oui, je sais, ça fait pas plaisir à entendre. Moi non plus, j'aime pas ça, hein, mais au bout d'un moment, y a pas le choix. Du coup, coucou Rayus, salut Grognac, salut Kamisama. Coucou! Si vous êtes que vous, vous êtes manifestés, là, dis donc! C'est vrai qu'on commence toujours un peu petit en ce moment. Mais je sais pas, c'est la période. Le quoi? Le sport. Salut. Eh oui. Eh, ah, one shot. Salut, chaussons bleus. Un concept nouveau comme les kebabs. Ah non, 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 faut pas faire ça. Hein. Non, non, mais je suis pas... Moi, c'est juste... Là, c'est vraiment une histoire juste de se mettre un peu en forme. En plus, c'est l'hiver, il fait moche et tout. Du coup, il faudrait vraiment que je me rebouge les fesses. Ça me ferait le plus grand bien. Mais déjà, il faudrait que je sorte, en fait, un petit peu plus. Le problème, c'est que je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là en ce moment. Avec le délire, le Covid qui remonte et tout, on est un peu en mode « Ouais, mais là, je vais faire ça, mais en même temps, si je fais ça, il y a un risque de... » Et du coup, à la fin, on sort plus, et c'est pas terrible. Donc moi, j'ai un peu du mal, je vous avoue. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai une petite descente niveau énergie. Mais, heureusement, il y a le stream et tout. Sachant, et je vous dis ça paradoxalement, alors qu'aujourd'hui, on fait une ref un peu particulière.
dans le sens où j'avais vraiment envie de tester, de voir si on était capable de pouvoir se faire un épisode de la rêve cool sans grosse préparation au préalable. J'entends par là de pas choisir l'œuvre à l'avance. Et du coup, on va voir, on va pouvoir. Je pense que ça va être un stream assez chill parce qu'on va se promener un peu sur Google Art and Project. On va pouvoir aller ensuite sur internet pour checker un peu des œuvres d'art, des artistes, des machins, des trucs. Ça va être cool parce qu'on va parler de plein de trucs ce soir. Et après, au niveau des jeux, bah, on pourra les piocher en direct. Hein. Je vous ai dit que là-dessus, aujourd'hui, je prenais le pari de si vous proposez un jeu ou quoi, bah, on va regarder tout de suite ce que c'est. On va pas, y a pas de, du coup, il n'y a pas ce petit temps de préparation. Donc voilà. Déjà habituellement je sors pas beaucoup, donc je sors pour bosser, acheter des mangas, acheter de la bouffe. C'est déjà bien, c'est vrai. Mais tu sais que quand je vais faire mes courses, moi j'ai l'impression que c'est ma sortie de la semaine, hein, Kamisama. C'est terrible hein, que ce soit que ça fasse ça quand même. C'est déjà de base j'étais pas quelqu'un qui sortait énormément, mais que ça fasse ça, c'est encore pire je trouve. Alors attendez, déjà j'ouvre le. J'ai mis une petite city pop là, je trouvais que pour la ref, j'aime bien mettre ce genre de musique quand on fait la ref, je trouve que ça va bien avec. C'est pas mal je trouve. Et au pas je la mets trop forte non plus parce que j'arrive pas à parler par-dessus sinon. Ouais. Oh là là, il faudrait tellement un truc pour mixer le son en direct, ce serait tellement bien. Ce qui fait froid et brouillard sent-il les raisons de pourquoi je sors pas. Mais non, mais c'est pour ça que j'essaye de pas trop. Je suis quelqu'un qui est du genre à vite me jeter la pierre, à m'auto-jeter la pierre et vite me dire non mais t'es quand même qu'une feignasse meuf, t'abuses et tout. Ou à me juger alors que des fois c'est complètement justifié et pas si grave. Donc, coucou la miche, comment tu vas? Ben ça va les miches, j'expliquais un peu que j'étais un peu fatiguée et un peu... Wow! Sai EST. Quest remis ayur cento circunflejo yesu paso vent, mais shem leferches lesgenski vosent braiman leur contenu cento circunflejo. Secto cincunflejo. Mais merci beaucoup Kamisama pour ton... deuxième mois d'abonnement, pardon. Merci beaucoup, t'es seigneur. Oui, faut que je vois pour si on en a pas une autre de madame qui parle comme ça, parce que je trouve que Pilar, elle a quand même du mal à s'exprimer en général. Faudrait que je vois si j'ai... Parce qu'il y a plusieurs voix espagnoles. Faudrait que je vois si j'en ai pas une autre qui est pas espagnole toujours, mais peut-être avec une... Oula, je me suis dit, mise à avoir un accent espagnol sans faire exprès. Avec un accent peut-être un peu plus prononcé, mais qui articule mieux. Faudrait que je vois, attendez, est-ce qu'on peut voir ça? Alert box. Si j'y mets... Ok, son bras. Apagando las luces. Ah, j'adore son bras, j'adore. Sound volume, attendez, je regarde. Resub, text to speech, ah. Spanish, mais est-ce que j'ai pas un autre genre de Spanish? Parce que là, j'ai... Legacy Voice, c'est les Legacy Voice, hein. Si je mets juste portugais, romanien, espagnol... Alors, attendez. Polish, mexican, japanese, italian, german, french, english... Poetos, poetas, poetos, poetas, l'espagnol me muy bien. Muy bien. Ah, gracias, one shot. Espagnol... Il n'y a pas espagnol... Espagnol, Spanish... Alors, Castillan Spanish, US Spanish ou Mexican Spanish. Si je mets Mexican Spanish. Ah, mais y'a pas? Comment ça y'a pas? Mais tu te fous de moi, quoi. Attendez. Non. Bien sûr qu'il doit y avoir. Canadien. Castillan Spanish, Enrique Conchita ou Lucia. Attendez. Salut. Salut Xanadu et salut Kigan, bonsoir. Attendez, je fais un save. Là, c'était pour le resub. Est-ce que je... Attendez, je vais faire un test. J'ai remis l'alerte de Kamisama pour voir. Sai est. Se remisa con acento grave y urge su paso vent. Mais yem le fer se les jansky vos ent braiment leur contenu. Attendez! Elle est trop bien! Mais elle est beaucoup mieux cette voix! Bon, on n'a toujours pas compris ce qu'elle a dit, hein. Mais attendez. Lucia, est-ce que Lucia elle est mieux? Attendez. On refait, avec Lucia cette fois. On va voir s'il y a une autre voix. Sai est. Se remisa con oh, c'est la même. Grave y urge su paso vent. Mais yem le... Alors attendez, sinon on a Enrique, mais c'est un monsieur. Après je suis pas contre, hein, moi ça me dérange pas. On va essayer avec Enrique et on voit c'est quoi le mieux. On recommence avec Kamisama.
sa est. Se remisa con acento grave y urge su paso ubent, mais yemle feseles yanskivos en brement leur contenu. Va falloir choisir. Enrique, alors on a on a Enrique ou on a Conchita. Vous préférez quoi, la madame ou le monsieur? Moi j'aime bien le monsieur. Il y a un petit train de Hype, on approche, il y a un petit train de Dumbo, on approche. Paul? Mais non, pas un Paul pour ça, vous êtes que 13. Mais non, mais dites-moi dans le chat. Jamais essayé d'apprendre l'accent hispanique. Bah Camille Sama, moi j'ai ma famille espagnole et ma grand-mère elle parlait comme ça, donc je t'avoue que l'accent comme ça c'est quelque chose qu'elle y connaît bien. Et encore elle avait un très très fort accent ma grand-mère, elle avait vraiment un accent hyper fort. Bon vous préférez quoi? Enrique ou Conchita? Conchita c'est... Conchita faut savoir que c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Notre joke c'est vrai hein. Mon arrière-grand-mère, Conchita qui est le diminutif de Consuela. L'accent j'avais encore, mais je me suis... L'Amérique du Sud, je suis biaisée. Là, c'est Castillan Spanish. Attends, parce que je peux regarder... Brasilien de portugaise, non? Alors, attends. Parce que peut-être qu'on en a d'autres. Hein. Castillan Spanish, English, French, German, Italian, Japanese, Coréen... Mexican Spanish. Ah, attendez, je vais quand même voir avec Mexican Spanish. Ça se trouve, c'est sympa aussi. Attendez. Ah, c'est Mia, elle s'appelle. Ça y est. C'est remis con acento grave et urge su paso ubent. Mais j'aime faire ces les yanskivos en brement leur contenu. Non mais Mia ça... Enfin après c'est peut-être en transition Mia, y'a pas de problème mais... Non mais... oui mais... Ah oui Mia, elle danse Mia. Bon, du coup on fait quoi? On garde une madame quand même? On va garder Conchita. Conchita j'aime bien. Attendez, faut que je la retrouve, parce que du coup je l'ai perdue. Elle est où? Conchita, voilà. Mais faut que je la mette pour les bits aussi. Donc ça c'est pour les resubs. Donation, est-ce que je peux rajouter un son? Non, j'ai pas l'alerte. Message settings, open sound. Non, je peux pas mettre ça pour les dons. Pour les os, pour les bits. Si, pour les bits, je peux. Alors pour les bits, comment qu'on fait déjà? Conchita connaît le mambo. Au secours. C'est quoi ce pseudo? Mais moi je veux que cette personne elle vieille vraiment dans mon chat. Ça a l'air incroyable de s'appeler comme ça. Open to speech. Ah oui alors attendez. Spanish. Du coup on va essayer de retrouver Conchita. Ouais on fait des petits réglages avant de commencer le stream. Parce que moi maintenant je suis alors attendez. Elle est où? Merde Chantal. Mais non Castille. Ah elle est là Conchita. Pardon, j'ai croisé Chantal dans les bureaux, c'est bon. Pour les hosts, pour les donations, je peux pas. C'est chiant. Moi aussi, je voulais... Ah si, speech. Haha, j'ai trouvé. Enable. Spanish, et du coup, on va mettre... Conchita partout. Conchita. Hello. My name is Conchita. Ah, bah oui, d'accord. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est bon. C'est bon, parce que la voix qu'on avait avant, Pilar, elle était un peu trop robotique. Je pense que je me suis trompée quand je l'ai sélectionnée. Donc, voilà. Aujourd'hui, du coup, je vous réexplique pour ceux qui viennent d'arriver, qui comprennent rien à qu'est-ce qui se passe, pourquoi là on n'a pas eu l'œuvre en avance, etc. Parce que d'habitude, si vous ne connaissez pas la ref, mais je vais refaire un mini topo. Même si là, on est au combienième, là? 14e. On est à la 14e émission de la ref, ce qui est quand même... pas dégueulasse, hein, mais on arrive bientôt à 20, c'est quand même pas mal. Donc la ref normalement, d'habitude, je vous propose une œuvre d'art que moi je choisis au préalable dans la semaine, je vous la pose sur les réseaux sociaux, je vous en fais la pub pendant la semaine sur les autres streams, en vous disant, bah là, regardez, il y a telle œuvre, machin. Sous les tweets ou sur Discord, vous pouvez proposer vos jeux, et le soir venu, je fais une analyse de l'œuvre et on joue au jeu. Ça, c'est la ref un peu d'habitude. Or, il y a quelques mois, j'ai essayé un format, c'était en après-midi, il y avait un peu moins de monde, mais on avait fait un espèce de crash test pour voir si ça marchait bien. Et en termes de participation, c'était assez cool, c'est que j'avais fait un épisode de la ref qui était un peu spécial, où en fait, il y avait...
j'arrivais juste comme ça avec vous, on débarque, bonjour, enchanté, Billy Steppens, ici présente, tout ça. Et en fait, on construisait l'épisode ensemble, c'est-à-dire qu'on se promenait un peu sur Google Earth and Culture, sur Internet, sur des sites de musées, pourquoi pas. On check un peu les œuvres. Des fois, il y en a qui me disent « Ah, moi j'aime bien tel artiste !» Alors on va regarder un peu tel artiste, on regarde un peu ce qu'il fait, on rebondit, machin, et en fait... La ref se fait un peu toute seule, et ce qui est vachement cool. Sachant qu'ensuite, on peut toujours jouer à certains jeux pendant la ref, puisque si jamais, quand vous avez une idée d'un jeu qui vous fait penser à une œuvre dont on est en train de parler ou quoi, vous pouvez tout à fait le dire dans le chat et on va le checker en direct. Et là, du coup, c'est un peu plus interactif que d'habitude. Donc ça demande un peu votre participation, parce qu'évidemment, alors toute seule, moi, je lance toujours la balle au début, mais après, évidemment, ça me demande un petit peu de la participation de tout le monde. Donc voilà. Sachant que la dernière fois, je rappelle hein, que si vous tapez la commande... Même moi, je m'en sers pour la récupérer. Si vous tapez la commande œuvre dans le chat, vous pouvez récupérer et cliquer sur le tableau, enfin sur le lien qui vous emmène vers un tableau que j'ai fait, dans lequel on retrouve un peu tout ce qu'on a déjà fait dans la ref, donc les 13 précédents épisodes. Ça nous permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est déjà fait voir dans la ref en termes de mouvement artistique. Ça, c'est intéressant aussi. Sachant que, en tout, on a déjà fait le romantisme allemand, le pop art, on l'a vu avec Keith Haring, le réalisme avec Gustave Courbet, on a fait Marcel Duchamp avec l'air Dada, les expressionnistes allemands, expressionnistes tout court d'ailleurs, l'art contemporain africain, l'avant-garde japonaise, le nouveau réalisme, le super flat avec Takashi Murakami, le primitif flamand, le romantisme allemand, encore, on l'a fait deux fois le romantisme allemand. Ah, j'avoue que c'était le premier épisode, le romantisme allemand. Je me suis fait un peu plaisir. J'avoue qu'on avait été un peu le refaire avec John Martin dans l'avant-dernier épisode. Et on a fait Roll Pop Art, enfin le nez... D'ailleurs, non, c'est pas du pop art, ça, attends. Je me suis trompée. Comment ça s'appelle, déjà, son néo-pop? C'est pas du pop art, Jeff Koons, c'est du néo-pop. Pardon, my bad. Voilà, donc cette fois-ci, chpouf, on se réserve un nouveau créneau, un nouveau machin, sauf que là, on sait pas encore ce qu'on va mettre dedans. Pour une fois, ça fait un peu bizarre, mais moi j'ai l'impression d'avoir juste mon slip et mon couteau, comme on dit. Mais let's go en fait. Pour ça, on va aller énormément sur la scène internet, puisqu'on va checker un petit peu tout plein de trucs. On va regarder tout simplement, c'est un peu mon site de référence hein, pour qu'on puisse naviguer ensemble et je vous en ai déjà parlé. Mais vraiment, Google Art and Culture est un très bon truc de la plateforme Google en fait qui vous permet de regarder des... Hop, vous êtes trompé, remettez-nous votre badge et votre arme de service des arts. Non, mais je... Mais j'ai rien fait. J'ai pas fait exprès, j'en ferai plus. Et on s'est déjà énormément servi de ça, notamment parce que, comme je vous en avais parlé, mais sur certaines œuvres, on les voit de très très près et très très bien. En fait, c'est vraiment, on peut vraiment regarder des œuvres d'art en détail, et ça, c'est vraiment cool. On peut explorer, voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Salut Myrine, comment ça va? T'arrives au début, on n'a même pas commencé encore. On n'a même pas à peine cliqué sur un truc. Explorer la culture à 360 degrés. Ah ouais, on peut faire ça? Comment ça? C'est-à-dire... Oh. Heureusement, je suis pas un spécialiste. Hein. Moi non plus. Step to Orion Nebula. Alors ça, c'est pas de l'art, mais un peu de l'art. C'est un peu de l'art naturel, ça, quand même. Wouah! Wouah! Attendez, on peut regarder des dragons et des titanos. Wouah! Attendez. Pardon. Chut. Attendez. Mais moi, je m'en fous, je voulais une vidéo en 360, ils m'ont menti. Qu'est-ce que le cul? Non. 300... Vidéo 360. Quoi? Mais c'est de l'arnaque. Ah, c'est un truc en VR. C'est nul. Mine de rien, c'est l'enfer sur le net pour trouver des images à minimum qualitatif, donc ce genre de site, c'est bien pratique. Bah, c'est fait pour, hein. C'est fait pour... on peut revenir au truc où j'étais avant, là. Attends. Oh là là, je suis à la ramasse, moi, ce soir. Art Camera, découvrir des œuvres d'art en haute définition. Ah oui, miam, miam, hein. Ah, ça, je veux, hein. What the Q de Antoine Daniel, je connais. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Ah, voilà, là, ça m'intéresse. Là, on va pouvoir regarder des œuvres de très, très près. Oh, ça, c'est bien, ça.
Ah, ça c'est bien. Yoo Min-jun, oh là là, trop bien, j'adore. C'est trop bien. Artiste, ah là là. C'est un artiste chinois. Non, chinois ou japonais. Attendez, Beijing, c'est où? Ah, je suis nul en géographie. Beijing, c'est où? Beijing, la Chine, c'est la capitale de... Nye. Pékin, Chine, voilà, putain, waouh. Ça va, je suis pas si rouillé que ça, en fait, ça va. Et Yoo Min-jun, il est connu de ouf, parce qu'il fait que des œuvres comme ça, avec des espèces de visages hyper faux, hein, forcément, comme ça. Et regardez-moi ces détails, c'est délicieux! Regardez-moi ça! Ah, c'est tellement agréable, hein. Ah oui, oui, hein. Ah, Yoo Min-jun, c'est hyper intéressant. Attendez, ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'il fait d'autre. Pour ceux qui connaissent pas. Est-ce qu'on peut aller sur... Le problème du F11, c'est que je peux pas regarder... Je suis obligée de l'enlever et de le remettre partout. Côté... Dizaine des titans de SNK. De quoi? Bah t'as cette espèce d'énorme gueule, en fait, c'est ça. Mais attendez, je vais taper... Je vais taper en parallèle aussi sur... Min-jun. C'est marrant que le premier truc qu'on voit, c'est quand même un truc qui est assez incroyable. Ça, je l'avais vu en... Bon, c'est art contemporain, parce qu'il est toujours vivant, et ça a été... C'était assez connu dans les années 80-90. C'est L'Exécution, qui est une œuvre très connue. Enfin, très connue. Encore une fois, quand je dis très connue, ne prenez pas ni pour vous. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de jugement de ma part. Je dis très connue dans le sens, c'est une des œuvres les plus connues de l'artiste. Hein. Après, que vous connaissiez ou pas, c'est pas grave du tout. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, Yoo Min-jun, il est assez célèbre pour cette œuvre-là qui s'appelle L'Exécution. Elle n'y est pas sur Google Art and Culture, c'est dommage, parce que du coup, on va peut-être galérer à la trouver en belle qualité. Ah, sur... Non, Pinterest, au secours, quoi. Ouais, elle va pas être dans une super belle qualité. Enfin, on l'a quand même en grande qualité, c'est pas le problème, mais... Le problème, c'est que le format est un peu spécial. Oui, exactement, le 13 des maillots qui est un... Donc, je vous le mets, 13 des maillots... De Goya, effectivement. Et bonsoir Frozen, parce que moi je t'ai pas dit bonjour, je crois. Pardon. Donc 13 des maillots, elle est connue si vous avez quelques souvenirs de vos cours d'histoire. C'est très probable. Coucou Frozen. C'est très probable que vous l'ayez déjà vu peut-être dans un livre d'histoire à l'école. En collège, lycée, souvent, ça, c'était souvent en couverture ou même dans les quatrièmes de couverture, en illustration du livre d'histoire. C'est un peu comme, vous savez, cette photographie qui est très célèbre de la... Je sais plus, c'est une afghane, une jeune fille avec des yeux très bleus. Elle est très belle et elle a été prise en photo par un mec de National Geographic il y a quelques années. C'est une photo très, 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 très célèbre. Avec les yeux verts, oui, voilà, tu vois, Némich, ça fait très longtemps qu'elle a été prise en photo. Bah, cette photo-là, tout le monde la connaît parce qu'elle a été utilisée partout, et notamment les gens même plus jeunes, pour ceux qui savent pas, moi je suis de 94, mais même les gens plus jeunes que moi, souvent les gens connaissent cette photo parce qu'en fait, elle a beaucoup été aussi utilisée sur les livres, dans les livres scolaires, dans les manuels scolaires, c'est souvent la pochette des manuels scolaires. Bah d'ailleurs, il suffit de voir, hein, si on tape manuel scolaire, allez, on va dire 3e histoire. Parce que souvent, les manuels scolaires, voilà, vous voyez ce style-là, vous avez des trucs comme ça, là. Et ici, c'est typique, c'est-à-dire que les bouquins d'histoire géo comme ça, vous avez forcément des trucs très connus. Bah, genre Jean Moulin, voilà, on connaît sa tronche parce qu'on a vu cette gueule-là plein de fois. Et il y a souvent des photos de ce style-là. Et notamment, donc, je parlais de la... Attendez, comment on peut la retrouver? Photographie nationale géographique... femme... C'est la femme afghane, je crois, elle s'appelle. C'est elle, exactement. L'afghane aux yeux verts. Bon, malheureusement, son nom... Comment elle s'appelle? Charbagoula. Charbagoula, hein. Je ne savais pas quelle était son identité. Et cette dame-là... voilà, cette fameuse photo très célèbre, elle est magnifique cette photo, et elle est à la fois horrible, enfin horrible parce que ça a été fait dans des conditions particulières et tout, mais en même temps elle est très très belle, et cette photo là elle est énormément connue, je suis carrément devant en fait, il y a ma grosse tête devant, my bad. cette photo là elle est très très connue, notamment parce qu'elle était... Oui, je sais, Camille, ça va, pardon, je l'ai vu, j'ai vu dans le retour en parlant. elle était effectivement très très connue.
Et elle s'est retrouvée dans beaucoup de... Même dans des manuels d'histoire et tout. Et c'est vrai que ça a été la couverture de beaucoup de bouquins. Ce qui fait, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que culturellement, ça veut dire que même si... D'où... Qu'importe d'où vous veniez ou quoi, bah, c'est le genre de trucs qui sont... qui apparaissent dans le paysage visuel public, en fait. En fait, c'était Mélisse. Ah non, hein. Non, non, j'ai pas ce regard aussi perçant que ça. Magnifique, hein. La photo est magnifique, vraiment. Je m'en souviens parce qu'un de nos seuls cours, une prof a lâché ses notes et raconté l'histoire de tête avec juste des œufs comme support. Je l'ai fait deux fois et c'est deux seuls cours que j'ai retenu. De quoi tu parles, de 13 et maillot, ça? Parce que du coup, pour en revenir, hein, parce que ça va être comme ça toute l'émission. J'espère que vous aimez les... vous aimez quand ça divague un peu, parce que pour le coup... On va faire des... C'est... Moi, j'aime bien les sujets comme ça, quand on rebondit d'un sujet à un autre, c'est très cool. Ils l'ont repris quand elle est plus âgée. Oui, oui, exactement. Bah, la photo qu'on a vue tout à l'heure, ils ont repris, ils l'ont retrouvée, cette dame-là, et ils l'ont repris en photo, donc des années plus tard encore. Et du coup, 13 des maillots, donc cette peinture-là de Francisco de Goya, qui est donc un artiste espagnol. Yu Min-jun, la reprise, je ne peux pas la réduire, c'est terrible, hein. C'est hyper chiant d'ailleurs. Que je puisse pas la réduire, la fait dans ce style-là, en fait, en reprenant exactement le même truc, mais en remplaçant les visages par, encore une fois, toujours le mec, le même, c'est toujours la même technique, hein, de la part de Yu Min-jun, c'est de prendre justement des espèces de visages toujours les mêmes, toujours le même personnage, et toujours cette espèce de visage souriant, gigantesque, et cette espèce de grande gueule, qui est très très ironique, hein, du coup. Hein. Attaque de Napoléon sur Madrid parce que son frère était renversé. Je sais plus c'est quoi. Je sais plus exactement. L'exécution de Yu Min-jun. Attendez, je vais regarder quelques infos sur le net. Je ne vais rien vous apprendre que quand j'ai un trou de mémoire, je vais sur Wikipédia comme tous les autres êtres humains de la Terre, hein, bien sûr. Et oui, parce que Yu Min-jun, c'est aussi un artiste qui a fait énormément de sujets politiques, donc comme là, hein, c'est de ce dont il parle, je me rappelais plus du nom, mais les manifestations de la place de Tiananmen et tout ça, enfin, toutes ces des événements historiques en Chine, et en fait, cet artiste-là, à chaque fois qu'il parle surtout d'un sujet assez grave, dont on parle de certaines des gens qui ont été victimes voilà, de trucs un peu atroces, et en fait, à chaque fois, il les représente avec ces espèces de visages souriants qui font hyper peur, moi, je trouve qu'ils sont vraiment effrayants, mais en même temps, le style est hyper stylé, genre, enfin, vraiment, le style est hyper stylé, ça se dit pas du tout, c'est vraiment, il y a un style qui est, le fait que ce soit très plat, parce que vous savez que, on en avait parlé avec Murakami, mais Chine et Japon, tout ce qui est pop art japonais, donc il s'appelle le super flat au Japon, parce que souvent, les Japonais aiment pas trop être associés au pop art. C'est un peu en concurrence avec les États-Unis, tout ça, c'est un peu normal, quoi. Ils ont une espèce de guéguerre, alors que en soi, le super flat et le pop art, c'est un petit peu la même chose, mais bon, voilà, ça chipote, hein, sur les termes de l'art, vous comprenez, le petit doigt en l'air. En gros, le pop art, j'allais dire asiatique pour parler de plusieurs pays à la fois, mais c'est un peu le même style, et du coup, le super flat... donc c'est d'un côté le nom qu'ils ont donné est pas si bête parce qu'il vous explique ce que c'est d'une manière technique, c'est-à-dire que le super flat c'est voilà plat. Je veux dire vous pouvez pas faire mieux que ça, c'est-à-dire que c'est plat. Il n'y a pas tellement de perspective que ça, il n'y a pas non plus beaucoup de détails, sauf exception de quelques artistes qui justement vont travailler dans la surcharge d'iconographie. Comme certains élèves de Takashi Murakami. Mais par exemple, là, du côté chinois, du côté d'un artiste comme Yu Min-jun, là, vous avez clairement un truc... Enfin, je veux dire, c'est assez clair. Vous voyez bien ça, on dirait vraiment une affiche... On dirait presque une affiche publicitaire, quoi. C'est un truc qui est assez... qui saute à l'œil, en fait. C'est avec des couleurs très, très vives et pas beaucoup de dégradés, en fait. Très symbolique en imposant sa patte. Ouais, c'est ça, exactement. Penser à des masques plus qu'à des visages humains. Ouais, mais en fait, c'est Kamisama, c'est aussi le but, c'est pour montrer aussi l'effet de masse et l'avis de masse du Parti communiste aussi. Donc c'est un truc... Là, on rentre un petit peu dans de la politique, mais je note Yu Min-jun parce que si on se met à parler d'autre chose, j'ai pas envie de perdre le fil, et si j'ai envie de rebondir dessus ou qu'on puisse retourner dessus après, que je vais prendre des notes pendant le stream parce que sinon on va pas s'en sortir. D'ailleurs, j'ai un super carnet de stream que j'ai pas ressorti depuis mon déménagement. Alors qu'en plus, il est juste là. Le carnet de stream.
La ref. Je vous avoue, je suis un peu scolaire. Je suis quelqu'un qui aime prendre des notes. Mais qui a toujours aimé prendre des notes. J'adore prendre des notes. J'ai tout le temps des carnets, tout le temps des bouts de papier, tout le temps des post-it. Et c'est trop trop bien. Comme ça, on perd pas le fil. Team carnet pour pas oublier. On est là. Bah ouais, en plus, ça laisse des traces. J'aime bien. Et puis, limite une affiche de propagande pour s'en moquer. Exactement, Frozen. Et salut, Rura. Ouais. Dis donc. T'as un petit truc pour dire bonjour, Rura. Oublie pas, hein. Petit carnet parmi les 200 autres carnets. Exactement, comme d'habitude. Hein. Yu Minjun. Attends, on peut regarder peut-être d'autres œuvres de lui parce que c'est assez intéressant, là. Pour le coup. Hop. Mais je devrais peut-être garder les œuvres dans un dossier ou un truc qu'on puisse les garder en mémoire. Attendez, vous savez quoi? Je vais faire un dossier la ref, comme ça on va le faire en direct ensemble. J'ai un dossier la ref. La ref direct. Hop. Comme ça je vais tout foutre dedans, et puis quand on aura envie de piocher dedans pour les remater, on pourra aller dedans. C'est cool les carnets. Ah, j'ai toujours un problème avec les carnets. Hein. Mais les œuvres qu'il fait sont vraiment stylées. Moi ça me fait marrer parce que ce genre d'œuvre là, on dirait presque du chouï. Je sais pas si vous voyez, mais il leur donne un aspect vraiment. Comment dire Attendez, je baisse juste un peu la musique pour moi. Je vais la baisser pour vous aussi, parce que ça doit peut-être gueuler un peu, je m'en rends pas compte. Voilà. Il donne presque un aspect chewing-gum, vous voyez, ce qui fait du coup très. Petit chewing-gum. Ouais, mais c'est ça. En fait, ça fait penser à quelque chose de beaucoup moins grave que le sujet dont il parle, en fait. C'est exactement ça. Voilà, cette œuvre-là, je la connais pas. Ça doit être une... machin. Il n'y a pas marqué nom de l'œuvre, section d'œuvre, exposition, biographie. Il n'y a pas le nom de l'œuvre. Cette œuvre-là, elle est vachement cool. Attendez, je la garde parce que je l'aime bien. Côté matière plastique. Oui, ça fait presque un peu jouet, tu vois. Mais même cela, hein, genre... Ah, il y avait une exposition sur lui à la Fondation Cartier. C'était quand? C'était devait être il y a quelques années. Il y a un côté très enfantin. Enfin, vous voyez, genre illustration pour enfants. Dès qu'il y a... De quoi? Dès qu'il y en a un qui est beau, toi-même, tu sais... Ah oui, il y a des Michelin carnets, oui. On dirait presque du caoutchouc. Ça fait très jouet, en fait. Ça fait très faux, voire... voire truc... Voilà, comme on disait, un truc un peu parodique. Un peu blague. Bah là, on peut voir. Hein. Genre, clairement, ces œuvres-là... Ah, celle-là aussi, elle est très connue. Le fameux rire jaune de Yu Minjun. C'est le titre de l'œuvre. Hein. C'est le rire jaune. Avant d'être un youtubeur, pas spécialement. Enfin, je connais pas trop ce qu'il fait. Mais... il en a fait plein de trucs. Ah, il a même fait de la sculpture. Ouh. Après, je les connais pas toutes. Moi, je connaissais surtout la entre guillemets parodie de 13 des maillots. Le rire jaune, je le connaissais. Celle-ci, là. Cette œuvre-là. Attendez, je vous la remets. Ah, mais il y a ma tronche à côté à chaque fois. Celle-là. Cette œuvre-là. Donc, celle-ci, elle est très très connue aussi. Et à chaque fois que c'est le même style de... C'est exactement le même style. Bon, alors, attendez, on va garder ça de côté, parce que ça peut être cool de se les garder de côté pour essayer de trouver des refs. Ça aurait été marrant de trouver une ref de jeu vidéo qui reprenne les œuvres de Yu Minjun, sachant que... Attendez, je vais essayer de retrouver le dossier qu'on a fait. Comme ça, on va pouvoir le consulter quand on a envie. Shtouk, la ref en direct. Voilà, comme ça, on va pouvoir les consulter quand on veut. Shpouf. Voilà, comme ça, je peux aller naviguer et on pourra revenir dessus. C'est cool. Pour voir un peu si on arrive à trouver des jeux un peu de ce style, là, ça pourrait être sympa, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pouf. On va revenir comme ça. Qu'est-ce qu'on a en super belle qualité à voir, là? C'est quoi, ça? Oula, Fluto. Je me suis trouvé avec une fraise géante, là. Qui a fait cette fraise? Qui est responsable? Soledad Beltrán en 1978. Pff, connais pas. Ça c'est intéressant. Oh, on en a pas parlé de ça. On n'a jamais fait sur le pointillisme. Oh, Paul Signac. Ah oui, oui, miam, miam. Et en plus, avec une qualité d'image comme celle-ci, Paul Signac, je vais vous expliquer qui c'est, ça va être trop cool parce que le fond... des œuvres de Paul Signac et Georges Seurat, qui était son camarade, son collègue et camarade, c'est quelque chose d'assez cool. Et en fait, le fait d'avoir une base de données qui nous montre une image hyper qualitative,
Ça va nous montrer un peu... Ça, en fait, ça va vous expliquer c'est quoi le pointillisme. Clairement, juste ça, c'est exactement... À l'époque, quand je bossais avec des gamins, c'était exactement comment je montrais le pointillisme. C'était juste une histoire de vision par rapport au fait que vous regardiez l'œuvre de près ou de loin. Oui, oui, miam, miam. Bah oui, miam, miam. Van Gogh en mieux. Ah, bah alors, Van Gogh aussi fait partie quand même de ce bail du divisionnisme et après, par la suite, du pointillisme. Alors, j'emploie des termes qui sont un peu prout-prout, mais je vais expliquer à ceux qui comprennent pas. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Vous savez très bien que dans la ref, j'emploie jamais de termes scientifiques ni de termes très précis, parce que vous savez que je déteste ça. Ça m'énerve quand quelqu'un comprend pas ce que je dis. J'aime toujours autant les mielismes. Ah oui, toujours. Mais alors le pointillisme et le divisionnisme, qui sont des mouvements qui sont assez rapprochés en fait, c'est des mouvements qui vont à l'inverse des, par exemple, des romantiques. Là, on parle pas du tout de la même époque, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais je peux vous montrer d'autres œuvres des œuvres romantiques. Par exemple, bah, si on retourne, attendez, vous savez quoi? Pour faire simple, je vais faire ça, comme ça. Non, pas le romantisme. Non, t'inquiète. C'est juste pour vous montrer visuellement. La mer de glace, voilà. On avait vu la mer de glace. Non, vous savez quoi? Comment il s'appelle? Voyageur dans la mer de nuages. Contemplant la mer de nuages. De Friedrich, notre copain, dont on a analysé une des œuvres dans la première ref. C'est une œuvre qui est très connue. Est-ce que je peux même... par hasard, la retrouver sur Google Art and Project, ce serait trop bien. Art and Culture, je dis Art and Project. Friedrich. Kaspar David Friedrich, le trauma de mes cours d'histoire de l'art. Ah oui, mais après, évidemment, mais il est très très connu. Mais c'est pour... Là, je vais pas vous parler de ça pour vous reparler de Friedrich, on s'en fiche un peu, là. Mais en fait, on s'en fout de l'œuvre, c'était juste parce que je voulais vous montrer une variante. Pour les différences. Alors, ça, c'est un très bon exemple. C'est quoi cette œuvre? Monk, donc moine au bord de la mer par David Friedrich, donc ça à la limite, le détail de l'œuvre, on s'en tamponne un peu. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer les couleurs et la composition du tableau. C'est-à-dire que quand vous voyez une œuvre comme ça, je fais pas effonce parce que je vais aller sur l'autre après. Donc, alors, ici vous avez un tableau, somme toute assez classique de Friedrich, hein, romantique, blabla... la mer, la mort, c'est triste, tout ça. On va pas s'étaler sur le sujet, ça nous intéresse pas aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous regardez déjà la composition du tableau, vous voyez bien que là, le ciel, il prend quasiment, 80% du tableau, parce que tout ça, c'est du ciel, hein, d'accord? Donc en fait, si vous vous zoomez à fond dessus, si on s'arrête que là, donc là, je peux vous mettre en grand pour peut-être vous montrer de plus près, là, comme ça. Voilà. Là, ça, c'est un bon exemple. Là, on a un élément du tableau. Vous avez toutes les couleurs, c'est hyper beau de près. Quand vous voyez une œuvre comme ça, vous pouvez avoir envie de canner, et c'est normal. Pourquoi? La mort c'est triste. Bon, t'as fini Némiche, dis donc. L'insignifiance de l'âme par rapport au monde. Ah oui, alors moi j'adore le romantisme allemand, j'adore, hein, c'est pas le problème. Mais non, vraiment, ok, mais ça va, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est des œuvres que j'aime beaucoup. C'est juste que là, je parlais dans le sens, on va pas partir dans des analyses très poussées parce que c'est pas le sujet. Dans le sens où Friedrich, on en a déjà parlé plein de fois dans la ref et j'y vais pas me répéter 50 fois. Même si, n'empêche que c'était le premier épisode de la ref, ça fait plus de 6 mois maintenant, ça date. C'est pas ma faute. C'est pas de ma faute si je suis hilarante comme meuf. Ça va, je me débrouille bien. Mais si vous voyez, là j'ai fait ce zoom là à cet endroit là précisément parce que vous voyez bien que les couleurs en fait, là on se concentre sur les couleurs. Désolé pour les daltoniens, quoique je pense que là c'est plus une histoire de gradation et de nuance, donc c'est possible d'avoir quel que soit le niveau de daltonisme. Mais si vous regardez bien, vous avez vraiment une gradation et le fait que les couleurs se mélangent, enfin il y a vraiment un mélange parfait des couleurs qui amène une espèce de nuances comme ça qui est intéressante à regarder. Si vous allez du côté des pointillistes, ces petits saloupiaux, ils se sont dit, bah nous on va faire le contraire, on va diviser la couleur. Bah oui, donc en fait, pour donner le même effet, c'est-à-dire que quand vous regardez une œuvre de loin, là on la voit de plus loin possible. Alors évidemment, faut pas exagérer non plus, on pourra jamais avoir le même rendu que sur l'autre œuvre qu'on a regardée juste avant. C'est pas le souci. Mais... quand vous regardez ici, vous avez aussi une gradation de couleurs. On reste sur le délire du ciel, hein, parce que le ciel, c'est facile à comprendre. Mais
le ciel qui est ici, vous avez des points qui sont bleu foncé, des points qui sont bleu clair, etc., jusqu'au plus clair. Et en fait, plus vous regardez de loin, plus vous allez avoir finalement le même effet que si vous regardez une œuvre, là, par exemple, celle-ci. Vous allez avoir exactement le même effet avec la gradation de couleurs. Un peu moins, parce que forcément, vous comprenez très vite que vous voyez comment l'artiste a peint son œuvre. En fait, le pointillé, ça porte bien son nom, hein. C'est des points. C'est que des points, c'est un amoncellement de points. Et toute l'œuvre, elle est faite comme ça. Si bien que du coup, si vous commencez à checker et à regarder de plus près les éléments du tableau, on voit et on comprend que dalle en fait. Là, si je fais un méga zoom comme ça, vous n'êtes pas capable de me dire ce que c'est comme élément. C'est impossible en fait. Ça a dû être si long à faire. Les techniques de... Bah, je pense que ça se fait qu'au couteau, hein, en plus. À la pointe de couteau, je pense. Je pense même pas que ce soit fait au pinceau. Ça a l'air d'être fait à la pointe de couteau. Parce qu'en plus, vu que c'est début 20e, hein, le pointillisme, donc c'est encore ce genre de gars qui peignait au couteau, hein, je pense. Ça a pas l'air d'être des pointes... Ça a pas l'air d'être des pointes de pinceau, je pense pas. Mais du coup, vous voyez bien que tous les éléments... Là encore, il y a un peu triche, parce que ici vous avez des traits pleins. Qui montrent qu'il y a eu quand même un espèce de... Il y a eu une esquisse pour pouvoir représenter quelque chose. Mais tout le reste, toute la couleur, tout le reste, c'est que des points. Attendez, je vais mettre en comme ça, pour qu'on puisse le regarder de plus près. J'aime bien regarder les œuvres de super près, je trouve ça super intéressant. Rien quand on se met comme ça. Si je m'amuse à aller comme ça... Oh là là. Et encore là, celui-là, je trouve, il est un peu traître parce que justement, il y a des endroits où il y a quelques lignes un peu pleines. Quoique même les lignes pleines, là, vous voyez que c'est aussi touc, 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 touc. Et ça, quand j'étais instite, c'est un truc que je faisais faire aux gamins parce que déjà, un, ça les amuse et en plus, ça donne des œuvres qui sont très jolies. Même fait par des gamins ou même quelqu'un qui s'y connaît pas ou qui ne sait pas peindre. Si vous faites un dessin très simple, je dis une connerie, hein, vous dessinez un soleil. Vraiment le soleil d'enfant, vous voyez, le soleil comme ça avec des triangles sur les côtés. Et que vous prenez des cotons-tiges ou alors juste un bout de la pointe d'un pinceau et vous venez faire des points, mais genre là je vous parle à la manière d'un adulte, c'est-à-dire très minutieusement et côte à côte avec des variantes de couleurs un peu comme ça, ça donne des tableaux ultra beaux, genre vraiment c'est ultra beau. Et c'est tout con à faire en fait, il n'y a pas besoin de s'y connaître à fond en peinture ou même d'aimer spécialement ça pour faire des jolies œuvres. Vous voyez comme ça de près comment c'est assez ouf en fait, l'amoncellement de points comme ça. Et bah là pour le coup, en vrai, si on veut le rapporter aux jeux vidéo, clairement pour moi c'est pixel art. Clairement, genre tout ce qui concerne le pixel art, c'est justement le fait de pouvoir, bah voilà exactement, bah je sais pas s'il y a des jeux qui vous viennent en tête parce que faut savoir que du coup Sera, attends c'est qui celui-là, c'est Sera ou c'est Signac? Non, celui-là c'est des œuvres de Signac, d'ailleurs bah je peux vous la montrer parce que c'est, mais si on l'a déjà fait, on n'a pas fait du pointillisme? Attendez j'ai un doute, attendez j'ai un doute à la con. On l'a pas fait Signac? J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait ou c'est moi qui ai des alus? Ah non, on l'a pas fait du tout. Ok, bah my bad. Non, parce que Signac, pour vous dire, c'est un de mes artistes favoris. Pour une seule œuvre que j'ai eu la chance de voir en vrai, parce qu'elle est énorme, elle est conservée aux États-Unis au MoMA. Et il y avait eu une expo à Paris il y a quelques années où en fait ils avaient montré, ils avaient fait importer des œuvres des États-Unis. Du MoMA pour le musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est le portrait de Félix Fénéon. Félix Fénéon qui était un proche de... On s'en fout un peu de savoir qui c'est. Bon, mais c'était un proche de Signac. Et le portrait de Félix Fénéon, je trouve que pour une œuvre du début 20e, donc qui est quand même... Enfin, vous voyez un peu les mentalités de l'époque, même le style un peu très classique de certaines œuvres, notamment des œuvres du romantisme. Là, vous arrivez à un style, moi je trouve... ultra graphique, enfin regardez ça, vous voyez de près, genre c'est ultra stylé vraiment. Je vais essayer de voir si j'enregistre l'image, je vais enregistrer l'image et on va aller la regarder sur le, parce que normalement je peux faire encore plus de zoom. Ah yes, on va pouvoir zoomer un max. Est-ce que ça zoome très bien? Pas tant que ça, bon c'est pas grave. Très moderne, ne serait-ce qu'au niveau de la physionomie, alors la physionomie du visage, mais même les motifs en fait, les motifs utilisés. Et tous les petits détails en fait.
De loin, on dirait un portrait classique, mais de près, il y a la couleur partout. Non, mais oui, mais vous avez vu. J'adore. Cette œuvre, elle est trop, trop belle. Vraiment, elle est trop géniale. Cette œuvre-là, regardez même le book, quoi. Je suis désolée. Bon, il est un petit peu pixelisé. Il est un peu crache-pouille, mais ça va, c'est pas grave. Ici, là. Est-ce qu'on la verra mieux sur la sur l'œuvre de base? Ah! Merde. Ah oui, peut-être qu'on la verra mieux comme ça. Je peux pas faire plus de zoom que ça, c'est dommage. Ah, c'est quand même dommage. Celle-là, j'ai pas une belle finition de celle-ci, c'est dommage. Mais toutes les... Regardez-moi ça, genre même... Je pense que même quand on descend au petit... Il y a des petites étoiles, là. Oui, voilà. Vous voyez cette partie-là, là? Celle-là, là, je l'aime bien aussi. Celle-là avec les petites étoiles, elle est trop belle. Et je sais pas ce qu'il a dans la main, il a une espèce de fleur, on dirait une fleur de lys, un espèce de truc comme ça. Et tu sais, monsieur Neko, pourquoi tu te caches? D'habitude, t'arrives en disant bonjour en fanfare. Et là, tu t'arrives tout. Alors. Une orchidée. Ah, c'est peut-être une orchidée. Attends, on fait voir. Ah, peut-être, peut-être, j'avoue, je sais pas. Peut-être. Peut-être que c'est une orchidée. Mais j'aimerais bien du coup avoir quelques infos sur même la signature de Paul Signac, elle est stylée. On la voit pas trop là parce qu'elle est tout en bas, mais un poireau. Non mais du don. Soit le poireau, Cluster. Attendez, moi je veux des informations sur le portrait de Paul Signac. Portrait de Félix Fénéon, opus 217. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je sais pas du tout. L'œuvre est un portrait de profil gauche de Fénéon avec sa barbiche caractéristique, portant un manteau brun avec un costume noir, oui blablabla, ok. Fleur de cyclamen. Ah, d'accord, c'est... je dois vous laisser, je jetterai un œil au replay, c'est cool comme concept, surtout que j'ai aucune culture à science. Mais n'hésite pas, Kigan, à mater, les, dans... si tu tapes les œuvres, t'as toutes les VOD de la ref, n'hésite pas à te les mater, avec grand plaisir. Les angles de la tête des bras, gnagnagna, un motif de zigzag sur le côté droit du tableau, tandis que la tige incurvée et les pétales de fleurs font écho à la courbe ascendante du bouc de Fénéon. Quoi? Pardon? Hein? Genre en gros, les l'armature, enfin le truc de son bras plus la canne, ça fait un zigzag. Wow! Ah! Mon petit cœur, j'ai failli mourir! Bonjour, re, bonjour. C'est incroyable. Ah, re tout le monde. Bonjour. Salut. Ah, c'était bien. C'était bien la salut. Fin de Yvette Horner. Ah, merci Milou pour le follow. Re bonsoir, re tout le monde. Salut le Red et coucou le Red. Ah oui, elle est belle, hein. La nouvelle emote de Red, elle est belle. Hein. Salut. Ouais, Saint-Lion, hein. Ouais, Saint-Lion. Merci pour le follow, ni connexion, merci beaucoup. D'ailleurs, je peux pré-shot. Merci beaucoup pour le follow, merci. C'était bien la fin de Yvette Horner en fait. Parce que avant que je vous dise, je pré-shot, merci pour les follow de ce soir. Que pour la soirée des 800, il va y avoir, si vous aimez la cuisine, il faudra venir mercredi prochain. Il va y avoir des choses qui vont se passer. il va y avoir des choses incroyables mercredi prochain. Soyez prêts à suivre le planning qui sera diffusé demain. Elle a fait un medley impro de David Bowie au piano. Ah, il va falloir que je regarde ça, du coup. La vérité va vous libérer. Ah là 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 là, au secours. J'adore la cuisine, surtout la manger. Ah, ouais, it's you. Ouais, il va y avoir... Tenez-vous au courant que demain, il y aura le planning de la semaine prochaine qui va vous être annoncé et que mercredi prochain, il y a le stream pour fêter les 800 et plus followers et que je m'engage... Je m'engage à faire quelque chose de débile. Voilà. Donc soyez au rendez-vous parce que ça va être incroyable. J'ai vu la cour de récré, j'étais déjà vieux, mais j'ai quand j'ai mes ça, mais j'ai mes messages à vous. Ah bah oui, ni connexion, bien sûr, la cour de récré, incroyable. Et oui, pour les 800 et plus quand? C'est mercredi la soirée des 800. Et je l'ai mis à 19h, je crois, je sais plus. Mais je vous redirai, vous allez voir, je vous donne le planning demain de toute manière. Demain, on se retrouve pour regarder AO, le dernier Néandertal, n'oubliez pas. Et du coup, vous arrivez, mon petit Calliose, vous arrivez sur une ref un peu bizarre, où cette fois-ci, j'avais pas envie de travailler. Du coup, du coup, en fait, on regarde des œuvres et en fait, on a trouvé matière très facilement. Bonsoir ici. Ah, salut les choses de l'étagère. Comment tu vas? Oh! Oh, merci Cluster, c'est gentil.
merci pour les choses de l'étagère, une personne incroyable. Est-ce que tu peux faire un petit cheers pour les choses de l'étagère, s'il te plaît, Closter? Je peux pas demander de t'en faire un pour... On peut en faire un pour Kalios, mais en même temps, Kalios, bon... Disons que les gens qui sont là, ils viennent de chez toi, donc bon... du coup, voilà. Mais on a trouvé matière très très rapide, très rapidement, avec plusieurs œufs ce soir, parce qu'en fait, ce soir... Alors, je vous explique pour ceux qui connaissent pas trop la chaîne... Waouh! Merci pour le... merci pour le sub-gift à Caramelman, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai réglé mon problème de madame qui parle, mon annonceuse qui avait des petits soucis d'élocution. Kélo, je connais pas, sûrement un petit jeune qui débute. Ouais, sûrement, ouais. Ah, ça y est, chose de l'étagère, il a trouvé les bons boutons, c'est bon. Le mec qui fait des OPSP Pépito, je connais. Putain, le jour où il y a une OPSP, une petite sponso sur les pains suisses, là. Quoi? Ouais, c'est moi, ouais. du coup, en fait, j'ai voulu commencer plusieurs phrases en même temps. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Kélio, je connais, c'est un chic type. Ouais, il paraît. Un mec sympa, toujours serviable, tout ça. qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a déjà trouvé, si, attendez, parce que je reviens quand même à mon émission. Pour ce soir, en fait, exceptionnellement, je ne m'occupe pas de faire une seule œuvre, on fait l'analyse, et ensuite on joue à des jeux vidéo comme ce qu'est la formule... Waouh! Mais je peux jamais parler. Mais quoi? Il est spuetos putas. Mais one shot, ça ne veut rien dire. Et t'as démarré un mini-train de Dumbo en plus. Merci. Je vais rajouter ça à mon CV dans des qualités serviables. Bah oui, mais je veux pas te faire des éloges, ça va, oui. Il sait faire plein de trucs. Voilà, plein de trucs. Je préfère quand même Kalios. Kalios. Oh putain, un grognac, horrible, horrible personne. Kalios, mais il est moins connu, au secours. Bon, je rappelle, vous êtes pas concentré du tout. Je reviens ici pour la peine. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'habitude la rêve c'est on prend Aitsuyu. Putain, t'es relou. Ah, tiens. Voilà, bien fait. J'aime bien comme elle prononce Aetsuyu. Je rappelle que du coup c'est Conchita maintenant. Je disais, moi j'ai rien dit. Moi je vous laisse faire, je dis plus rien. Je peux vous expliquer le concept de la ref ou tout le monde s'en branle du coup? Comment ça se passe? Non, parce que bon, moi là-bas je suis là pour bosser donc. D'ailleurs, non, il faut qu'on trouve des jeux en plus pour les trucs qu'on a déjà trouvés hein, parce que. Ça va jouer à des jeux en pixel art, je sens, ce soir. Il va falloir qu'on trouve des jeux en pixel art. Mais tu veux quoi, alors? Bon, dis donc. Ah, regarde, Némiche, il fait mon travail à ma place. Mais... Mais Kalio, ça va pas dans ta petite tête? Mais... Merci beaucoup. 5 abonnements à Raius. À... Xabab. I don't know. Quoi? Merci à Radfat pour les 10 balles. À Xabab, à Carly, à Tox Gromit et à Guzunet. Oh, c'est trop bien, merci beaucoup. Attendez, j'arrive plus à suivre. Non. Comment ça, non? J'ai même plus le droit de faire ma propre émission. Au secours. Et pour ce temps-là, il y a Rura qui essaie. Rura, il est comme ça, il essaie de récupérer l'émission. Genre, au fait, il y a ce jeu-là, si tu veux. 10 balles. Bah merci beaucoup. 1000 balles. 500 balles. Non, merci beaucoup. Merci encore à toi, c'est trop gentil. Parce que je m'énerve. Et merci pour le follow. J'avais pas vu. Merci pour le follow Minus Fofa. C'est rigolo. C'est un peu... Je sais pas trop comment je vais le prononcer. C'est un jeu accordéon ce soir. Allez. Merci Tcherno pour avoir offert un sub à Flo. Flo, le petit Flo, l'animateur de Fête Foraine. Ouais, 500 balles, 500 balles. du coup, je sais plus ce que je disais. Vous m'avez perturbé, mais... Bon, attendez 2 secondes, je vais me battre. J'arrive, je me mets en mode bagarre.
Je reviens une demi-heure, trois quarts d'heure, à tout à l'heure. Mais y'a pas de problème, Maniax. Je note, hein. Si t'es pas là dans trois quarts d'heure, je me fâche. Oh! Oh! Yes! Merci! Merci, Aratfat! Merci, Tchernoborg, Mielis de Terminator. Ah! Merci, Aratfat, il a offert un sub à... Merci, merci, Rayus. Il a offert un sub à Cayette, à Julien. Julien, notre ami Julien, et à C2J. Et à Bob Ross, évidemment. Merci. Merci. Ça offre des trucs ici. Des trucs ici. Elle est mieux, hein. Conchita, elle est mieux. Et on reste dans la famille parce que sachez que la voix d'origine de l'annonceuse, elle s'appelait Pilar, car c'était le nom de ma. C'était le nom de ma grand-mère. Attention. Petit soutien. J'adore. Et Conchita, c'est le nom de l'annonceuse. C'était le nom de ma grand-mère. Du coup, on garde. Hein, j'aime beaucoup. Bref, j'ai pas dit bonjour en fait. Mais toi, t'arrives à Radfat, toi, tu donnes des thunes pour dire bonjour. Ce qui est sympa aussi, hein. C'est pas grave. Mais voilà. Poète, assis. Je suis posée avec vous. Ah, salut la bouseur. Coucou. Ah, vous êtes mignon. Merci beaucoup. Hein, ça a pas la tête. Vous, un rien et ça part. Hein, c'est fou. Un paix et c'est fini. Hein? Oui, Tsuyu, bonjour! Cimer, hein, genre. Ah! Oh! C'est dommage, j'aurais voulu qu'elle dise le mot borb. Borb. Par contre, elle est un peu austère. Conchita, elle parle un peu. C'est une mamie espagnole, mais elle est un peu comme ça. Hein. C'est quoi? Mange un paix. Ça vient de chez qui? C'est terrible comme. Oui? Ah, non, pardon, je m'attendais à une annonce. À Spa de Bois et à Linko. Oh, merci, c'est gentil. Non, mais ça va pas. Coup de foireux, Cimer One Shot. Et en plus. Non, là, ici. Stream Boss. Prout foireux. Yes, impeccable. Génial, super. Merci. Je sais pas qui va détrôner cette personne parce que. Savoir que j'ai un prout foireux en Stream Boss, ça me rend très heureuse. Sachez-le. C'est génial. Niveau 5. Bon, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Moi, je lisais toutes les emotes du train de la hype. Oui. Prout foireux, les Stream Boss. Les Stream Boss, si. Parce que normalement, je crois que je les ai tous, les emotes du train de la hype. Parce qu'il paraît qu'il y a... Je mets pas mal de tunas. Chez quelqu'un, un gars que vous connaissez qui est sympa, là, qui fait du contenu sympa. Un petit jeune. Attendez, j'étais en train de choisir mes emotes de la hype. Oh. Ça, là. Merci. Oh, attendez, je n'arrive plus à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est mieux, miel et chouette. T'as mis 1200 bits pour récupérer le siège one shot avec ton. Avec ton truc, ton image de profil immonde, au secours. Et merci beaucoup aux choses de l'étagère qui offrent un sub en remerciement à ton petit cadeau à Fricadel, du coup. Oh, Fricadel, c'était un ancien copain du théâtre. Et à Aratfat qui a recraqué son slibar tranquille, lui sans pression aucune, et qui a offert un sub à Croc-Nice et à Pac-Man. Vous savez, c'est pour ça, souvent vous vous foutez de ma gueule, parce que c'est vrai que chez Kalos, j'avoue, je fais pas mal de sub-gifts. Mais parce que je trouve que les sub-gifts, merde, c'est plus intéressant, parce que quand même, vous faites plaisir à tout le monde, et ça c'est beau. C'est vrai que j'aime bien faire des sub-gifts, parce que mine de rien, moi ça m'amuse. Le streamer est content, évidemment. Et en plus, la personne qui reçoit le sub, c'est sympa pour elle aussi. Je trouve ça fait double cadeau. Oh, j'avais pas vu les emotes de... Oh, ça sont belles, celles-là. Les emotes de Méli Mélo. Oh. C'est pour ça, et eh oui. Pas mal de sub-gift, 5000. Non, non, je suis à... Je sais plus, je sais pas... Oui. Je suis à 260, je crois. En 6 mois. Non, en 10 mois, en presque un an. Ça va, en presque un an. Bon, voilà. Ça va. Ça va. Ça va.
Ça va, c'est pas trop exagéré. Bon, le train de life, il est encore là. Je continue, je peux reprendre où on en était ou pas? Parce que, à la base, sachez que le samedi a lieu une émission qui s'appelle La Ref, dans laquelle nous parlons d'œuvres d'art et de jeux vidéo. Est-ce que vous le savez? Parce que c'est incroyable, c'est une émission qui est fort intéressante, sachez-le. Elles sont horribles, j'adore. C'est vrai qu'elles sont horribles, celles-là. Il est où ton petit lapin qui était horrible, là? La Ref, mais qu'est-ce que donc? Oui, donc je disais, du coup tu me disais Obradine, et je t'écoute, hein, Rura, tu sais, je sais faire plein de trucs en même temps. Remercier pour les sub-gifts, faire des bisous à des gens et noter des refs. Obradine que j'ai pas aimé du tout, mais on va le faire. On va le faire parce que peut-être qu'avec quelqu'un pour m'aiguiller, ce sera peut-être plus sympa. On va essayer de se le procurer. Je sais plus si je l'ai encore ou si je me l'étais fait refund, mais on va pouvoir se le reprocurer facilement, y a pas de souci. Oui, on cherchait des œuvres. Attention, des œuvres particulières. Non, pardon, je recommence. Je peux boire un coup là. Il faut que je boive un coup parce qu'en fait t'as raconté des conneries et à cause de vous je suis perturbée. Donc je vais juste chercher une bouteille d'eau. Deux secondes parce que là ça va pas du tout. Un deux. Voilà. Alors je disais, il ne faut pas. Etsuyu, c'est pas parce que t'es malade que attention. Hein. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Attention à toi. Je disais donc qu'il nous faut des jeux en référence à une œuvre dont on parlait juste avant. Attention, grenade. Ah non, attention. Mais vous êtes complètement con. Ah, merci pour le train de l'hype! Oh là là, hé, dis donc! Combien il y a eu en tout? Niveau 5 atteint. Je peux voir le total? 19 abonnements et 1275 bits. Merci beaucoup! Merci! Ah, oh, il y en a qu'au... Oh, Raius, t'as gagné celui-là! Je l'adore, c'est mon préféré! Shakara aussi! Ah oui, ah, il y a la petite girafe du Lurk aussi qui est un peu blasée. Mais je sais pas ce qu'elle a dans la bouche. Ah non, c'est un brin de machin qu'elle bouffe. Ah, le petit écureuil, le fameux petit écureuil, il est trop bien. Il est trop trop bien celui-là. Vous pourrez le mettre demain quand on regardera AO parce que ce sera tout à fait l'ambiance, hein, ce sera parfait. Un sapin fion des bois. Ah oui, ça c'est ma... Oh, oh là là, dis donc, Zifer, attention, ça frime. C'était quoi l'œuvre? Bah justement, Radfat, ce soir, il n'y avait pas d'œuvre. On regardait plusieurs œuvres et on proposait des jeux. Là, en l'occurrence, on cherchait des jeux pour une œuvre qu'on a découverte tout à l'heure. Enfin, moi qui ai une de mes œuvres préférées d'ailleurs et qu'on est tombé dessus par hasard. Il s'agit de... Du portrait de Félix Fénéon, qui est une œuvre de Paul Signac. Paul Signac, c'est un artiste qui fait du pointillisme. Et donc le pointillisme, on a expliqué un petit peu ce que c'était, mais de toute façon, vous avez très bien compris en quoi ça consistait juste en voyant cette œuvre magnifique, soit dit en passant. Je suis pas sur la bonne scène du tout, my bad. Voilà. Qui est une œuvre qui est magnifique et qui donc reprend le portrait de Félix Fénéon. D'ailleurs, on était en train de checker juste avant que vous arriviez, on était ici parce que moi je voulais regarder qui était Félix Fénéon parce que je ne me rappelle plus qui c'est. Félix Fénéon, c'est qui ce monsieur? Il avait un magnifique book apparemment. Né en 1961, critique d'art, journaliste, collectionneur d'art et directeur de revues français. Anarchiste, s'engage dans le mouvement libertaire de 1886 et collabore à de nombreux journaux et revues. D'accord, donc c'était un mec qui pesait un peu dans le rap-jeu de l'histoire de l'art. Du coup, j'ai rien raté. Non, pas du tout. On reprend, là. On est en train de reprendre. Merci encore à tous pour le soutien, les dons et tous les copains. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On était sur ce portrait-là parce qu'à la base, on regardait une autre œuvre de Paul Signac qui était tout simplement un paysage de Saint-Marc à Venise. Est-ce Rolichtenstein est le descendant du pointillisme? C'est intéressant parce que Rolichtenstein, en fait, à Radfat, si tu veux... Donc pour ceux qui connaissent pas Roy Lichtenstein, on va pouvoir montrer ensuite de quoi il s'agit. C'est l'avantage d'une ref comme je fais ce soir, c'est qu'en fait on peut parler de plein de trucs à la suite et à la fois, et ça c'est cool. On peut vraiment divaguer autant qu'on veut pour le coup. Attends, on va ouvrir Roy Lichtenstein, c'est si vous voulez le décor des amours. Vilou, attention!
ici les blagues en dit quelque chose, elles sont proscrites. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire attention. Des trucs. Attention. Non, 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 non. Et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Non, 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 attention. Attention, attention. Non, non. Roy Lichtenstein, c'est donc le fameux artiste qui a fait ce genre d'œuvre-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Les Amours. Une fois, c'est même pas du troll. Ben non, j'allais te répondre, Radfat, justement. On a déjà abordé Mucha. Mucha, salut. Non, jamais fait Emixa, mais coucou du coup à toi. Et salut Twingo. Je suis déjà fait taper sur les doigts. Oui, attention. le Roy Lichtenstein, donc pour ceux qui ne remettent pas, c'est cet artiste-là. Cet artiste-là, il est connu et c'est pour ça qu'Aradfat, tu as sûrement fait la référence, et c'est une référence qui est hyper maligne. C'est que, comme vous pouvez le voir, je vais ouvrir la fenêtre, ce sera plus sympa, on verra de plus près, voilà. C'est un artiste qui reproduisait plein de personnages comme ça, à la manière des comics américains un peu de l'époque. Oui, voilà, on a c'est le fameux décor des amours, ça évidemment tout le monde le connaît. Hein. Et il y a effectivement ce détail avec plein de petits points partout. Or, contrairement à... Elle est pas du tout bête ta question, attention à Radfat, hein, t'inquiète pas. Mais c'est intéressant de savoir ça, c'est que donc forcément Roy Lichtenstein, lui c'est un artiste des années 60 à peu près. Lui en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est servi des appareils de sérigraphie, mais d'une autre manière pour créer ce genre d'œuvre d'art. Évidemment, Roy Lichtenstein, c'est aussi quelqu'un qui a une grosse culture d'histoire de l'art, donc de ses prédécesseurs et de toute l'histoire de l'art un peu mondiale. Hein. Donc évidemment, c'est pas sans rappeler le pointillisme pour le délire des détails, sauf que contrairement à... Contrairement au genre de Paul Signac, qui est en fait l'intérêt du pointillisme, comme vous le voyez ici, c'est le traitement de la couleur et des détails, en fait. Connu pour avoir un très gros bazar. De quoi? De quoi tu parles, Kélio? J'ai pas compris. C'est pas con d'utiliser une trame pour faire un rappel au pointillisme. Oui, oui, bah en fait, c'est justement ça. C'est exactement ça, Kamisama, exactement. Reposer à la main des tailles de l'imprimerie des comics, c'est-à-dire les petits points. Exactement, Nabuzor. Mais après, évidemment, on peut évidemment faire un rapprochement entre l'histoire de l'art plus ancienne et un délire comme le pointillisme, parce que même nous, hein, quand on a fait l'analyse juste avant que vous arriviez, on en parlait juste avant, mais quand vous regardez une œuvre comme celle-ci, donc le fameux tableau de Signac, en fait, et que vous zoomez au max... C'est incroyable ! Je pouffe. Et vous zoomez au max, vous voyez très bien là un délire à la pixel art. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de jeux en pixel art, et ce qui nous intéresse aussi, puisque dans cette émission, on joue aussi à des jeux vidéo, c'est que clairement, des œuvres comme ça, donc qui datent quand même du fin 19e, début 20e, ça, c'est un truc pour traiter les... la couleur et les détails, parce que, encore une fois, je suis désolée, mais là, vous avez un espèce de truc qui ressemble à... D'ailleurs, c'est un truc... Alors, c'est à Venise, mais ça ressemble à un Sacré-Cœur, un peu, genre. Mais vous voyez les détails de malade, alors que... J'adore ce site. On peut zoomer tellement près, c'est génial. Ici, vous pouvez voir des détails ultra poussés qui sont vraiment, vraiment trop beaux, alors que c'est vraiment du point par point. C'est assez ouf, quand même. Hein. C'est l'église Saint-Marc. Je sais pas, c'est à Venise. The Lagoon of Saint-Marc. Ah, t'as raison. T'as raison, Radfat. D'accord, je connais pas du tout. De quoi? Oui, j'ai un bouton à appuyer, vous savez. Hein. C'est une coupole, donc. Ouais, ça ressemble en même temps. Donc, mais ici, vous avez un souci du détail qui est assez ouf, en fait. Qui fait, et c'est pour ça qu'on en est venu à voir la différence avec le pixel art, parce que clairement, hein, ici sur la chaîne on joue à Blasphemous, qui est un jeu en pixel art, mais il en existe plein d'ailleurs, des récents et même des moins récents. Quand je parle de pixel art, je m'exprime peut-être mal, d'ailleurs peut-être qu'il y en a qui sauront mieux que moi, mais moi je parlais surtout de... comment ça s'appelle ? De jeux un peu comme Blasphemous qui vont utiliser le pixel, enfin le design pixel pour faire beaucoup de détails en fait alors qu'ils ont ce design là. Je pense à Dead Cells notamment. J'ai noté Obrasine, ça m'intéresse d'y jouer avec vous parce que ça peut être cool à voir artistiquement, c'est assez chouette.
Le cerveau remplace pas mal de choses. On associe une vague forme à quelque chose, donc on connaît bien et donc on a une idée précise et on a l'illusion que c'est très clair. Mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Salut Constantin, coucou. Ça marche hyper bien dans ce tableau. Ouais, exactement, t'as tout à fait raison, Camille Sama. Ouais. Crypt of the Necrodancer. Tu trouves qu'il y a beaucoup de détails dans Crypt of the Necrodancer ? Je l'ai, hein, si jamais vous voulez qu'on y joue, on peut y jouer. Mais je vais juste regarder des images sur internet parce que on va quasiment faire toute la soirée que sur la page internet, hein, parce que j'arrête pas d'aller voir à droite à gauche. Ah mais Vilo Chicory, c'est pas du pixel art. Après je suis désolé pour le coup, mais Chicory, j'y ai joué il y a littéralement une semaine dans Ludorama. Non, je t'avoue que faire un doublon bof. Si oui, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Crypt of the Necrodancer, on peut y jouer si jamais vous voulez. Je suis pas très... Alors, faut savoir que je suis pas très bonne. J'adore ce jeu, mais je suis pas très bonne. Necro Dancer. Je veux une cover du marchand parmi les lys. Ah là là, salut. Incroyable. Salut, Teams, coucou. La version Zelda sur Switch de Crypt of the... Oui, je sais plus comment elle s'appelle. Rhythm of... je sais pas quoi. Elle a un nom comme ça, là. Cette version-là. Oh, merci, Constantin, pour ton petit os de d'habitude. Ça fait trop plaisir à chaque fois. Merci beaucoup. Cadence of Hyrule. Ouais, c'est ça. J'ai dit quoi? Je sais plus comment, je sais plus ce que j'ai dit. Après, il y a tous les dires de construction des joueurs de Minecraft qui prend un peu le concept. Camille, ça va, est-ce que tu m'autorises à pas jouer à Minecraft, s'il te plaît, j'ai pas envie. J'ai tellement pas envie. Faut que je l'installe et tout, je sais même plus comment on fait pour y jouer. Oh là là, seigneur, non, non, non. Pitié. Ça swing au village Cocorico. Comment ça, trop tard? TKT. Bah non, mais par contre, hein, je recommence, je bois. A chaque fois que je sais plus parler, je bois un coup puis on recommence. Go mode survie, oh non. Oh non, s'il te plaît. J'ai beaucoup joué à Minecraft quand j'étais... Enfin, non, pas beaucoup. Mais j'ai eu une petite période avec des potes où on s'était fait un petit village... un village où chacun avait fait des trucs, on avait fait un truc un peu communautaire. Comme beaucoup de gens, j'étais déjà... Enfin, j'étais plus vieille que les... La moyenne d'âge des gens qui jouent à Minecraft. J'étais fin lycée, un truc comme ça. Des bisous, Caramel. Des gros bisous. Bonne soirée, bon courage. Oh, bah c'est gentil. Merci d'être venu. Des bisous. Et on avait fait un délire, genre chacun avait mis sa main à la pâte pour faire des petites maisons, des petits machins. Moi, je me rappelle, j'avais fait un cinéma. C'était pas difficile, fallait juste prendre de la laine de couleur et faire des sièges. C'est tout. All Boy, c'est sur PC. C'est quoi All Boy? All Boy. Jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est? Alors. Oh, c'est trop mignon. Oh, ouais, il y a plein de détails. Ah bah, c'est exactement ce délire-là dont je parlais, Nimish. Attends, on peut regarder un trailer, peut-être? YouTube. Ah, c'est que sur Switch? Ah non! C'est que sur Switch? All Boil Trailer. Je crains que ce soit que sur Switch. Ah non, c'est sur Steam! Non, 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 regarde, attends, il y a marqué c'est sur Steam, c'est sur Steam. Attends, on va regarder. J'ai pas coupé la musique. Oh, c'est beau! Ouais, un peu, SOU, tu vois le genre? Pour rappeler les œuvres de Signac. Parce que je vais vous montrer deux œuvres de Paul Signac et Georges Seurat aussi, qui était son camarade et ami. Enfin, son collègue de travail et ami. Et vous allez voir que c'est le même genre, ça sont très colorés, les œuvres, c'est très beau. Ouh, All Boy. Mais c'est quoi comme genre de jeu? Parce que là, il n'y a pas de gameplay encore. Ouh là là, les petits fils de la musique, là. Platformer 2D. Ouh, ah, ok. Montrez-moi. Oh, c'est joli. Et vous savez qu'avant, j'aimais pas trop les jeux, on va dire, pixel art ou quoi. Mais ils arrivent maintenant, il y en a qui font vraiment des beaux trucs. Blasphemous ayant été une grosse claque pour moi visuelle, j'aime beaucoup. C'est très mignon, ça. T'aimes pas les platformers de base ? Aegis Defender. Attends, je vais noter. Attends. Je vois les trucs, hein. Je les note. Si on les regarde pas tout de suite, deux secondes, hein. Je les note. Ah, mais la musique, je l'ai déjà entendue, cette musique-là, dans des...
dans des... vous savez, des remixes où il y a plein de musique de jeux vidéo. Oh, ça, je veux bien essayer avec vous. Vous voulez qu'on essaye ça? Ça a l'air bien. Ah, la musique, elle est belle! Mais je l'ai déjà entendu plein de fois, en plus, celle-là. Mais c'est pas la musique de ce jeu-là, si? Histoire pendant 5 bonnes minutes. Depuis 5 bonnes minutes. Histoire, oui, on en a beaucoup parlé quand c'est sorti. Bah, tu vois, Némiche, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce concept-là. Parce que tu vois, peut-être que des fois, quand il n'y a pas de préparation en amont, sur le feu de l'action, t'as une idée qui te vient et tu peux la proposer en stream, je trouve ça sympa. Vous n'hésitez pas à me faire vos retours pour ceux qui connaissent la ref de base. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous préférez quand c'est comme ça et qu'on part en freestyle et qu'on cherche des œuvres sur le moment. Ou alors, vous préférez un truc déjà organisé où je vous demandais des œuvres à l'avance et tout. Si vous préférez ça, parce qu'au final, là, vous êtes en train de me proposer plein de jeux, c'est trop bien. Et on a parlé que d'une œuvre alors que tout à l'heure... Yumin Jun, on n'a pas eu trop d'idées d'œuvres. Je vous remontrerai pour les gens qui viennent du raid qui n'étaient pas là au tout début, mais on a parlé d'une autre œuvre d'art qui n'a rien à voir avec ça aussi. On pourrait partir que sur ça, parce que là, là déjà, on a du contenu pour tester plein de jeux déjà. Alors, il y a celui-là, All Boy, je vais ouvrir Steam et on va regarder pour le prendre. Il n'y a plus une musique, mais je ne vais pas la remettre puisque je veux regarder Aegis Defender. Mais c'est que sur Switch peut-être celui-là, non? J'ai l'impression que c'est que sur Switch. On peut regarder quand même le trailer, juste pour voir. Il y a un trailer? Bande annonce de lancement. Aegis Defender, c'est le même style, si tu as des phases solo, il est showtime, mais ça passe. Non, PC aussi. Il doit être sur Steam. Attends, bah on va regarder. In a future where humanity has been brought back to the Dark Ages. Et là, vous voyez, attendez, il y a un truc qui est intéressant à voir, c'est que vous voyez le jeu qu'on a vu juste avant, All Defender, et si vous regardez ce jeu-là, vous voyez que c'est aussi du pixel art, mais un peu comme le délire du pointillé, c'est pas la même chose, parce que là, vous voyez que vous avez plus de zones pleines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus de zones pleines, ce qui donne un autre rendu, qui est très joli aussi, hein, c'est pas ça, là on n'est pas à dire qu'est-ce qui est mieux ou pas, hein, c'est juste comparer, et vous avez des zones vachement pleines, comparé à comment il s'appelle? Owl, bah, celui qu'on a vu juste avant. Owl Boy? Non, si. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Owl Boy, oui, non, c'est bon. Oui, c'est ça. En fait, je l'ai dit correctement. Et que... And ancient robots are worshipped as gods. Là, vous avez des zones beaucoup plus pleines et ça donne une idée où il y a un petit peu moins de détails. Vous voyez le délire? En fait, il y a plus d'aplats, exactement. Et pourtant, on voit qu'il y a plein de détails aussi hein, dans celui-là. J'ai moins, moi, quand c'est comme ça. J'aime bien quand il y a plein de détails. Quand il y a plein de détails et qu'il y a des nuances de couleurs qui sont proches les unes des autres, je trouve que ça donne un effet très, presque réaliste, alors que c'est du pixel. Mais j'aime bien aussi, hein, mais j'aime moins. Old Boy, non, non, pas Old Boy, non, on garde sa langue dans sa bouche. Zula, the thief. J'aime un peu moins ce genre de jeu. C'est marrant parce que ça fait penser à un genre de train mais en 2D, c'est rigolo. Avec plusieurs personnages et tout. Or play with chut, on fait un hommage. Oui, c'est un hommage, ouais. Dropping co-op with dynamics. Train 2, ouais, clairement ça fait penser à train un peu. Le manga All Boy, jamais. Bah déjà le film il met pas bien, alors le manga laisse tomber, au secours. Ouais, il y a un peu trop d'effets. Je sais pas, celui-là, visuellement, moi, c'est un truc qui me plaît un tout petit peu moins. Après, il a l'air pas mal en vrai. Aegis Defenders. Aegis Defender. Ok. C'est quoi All Boy? All Boy, c'est un film hyper hard. Je sais plus de quelle origine c'est, Old Boy. Je vais se remettre la musique. D'ailleurs, la musique, attendez, va peut-être changer, là. Qu'est-ce qu'on peut mettre un peu, là? Ah bah, je dis, on va mettre la musique et elle est partie. Vous savez quoi? Je vais pas me faire chier, on va se mettre un truc qu'on connaît bien et que je mets plein de fois sur la chaîne. Mais j'aime beaucoup... Cette playlist-là, elle est bien. Version coréenne...
Ah, c'est coréen. C'est ça. Ok, Corée du Sud. Ouais, exact. Il est très bien, le film, mais faut être un peu préparé psychologiquement. Liechtenstein. Oui, il est là, notre tableau. Hein. Et clairement, l'autre, là, le Owl Boy, pardon. Du coup, je m'en mêle les pinceaux. Owl Boy, on va pouvoir le tester. Du coup, on a déjà 3 jeux pour tester le pointillisme. Hein. C'est pas mal, hein, en vrai. Donc, mine de rien, le temps de tester les 3, là... Déjà, il va falloir que je les... Il y en a un que j'ai déjà... et les 2 autres, faut juste que je les prenne et que je les télécharge, ça va pas être très long. Donc on va se faire une petite mode pause pendant que je vais télécharger tout ça. Et pour ceux qui étaient pas là au début, au tout début de la ref, on a regardé les œuvres de Yu Min-jun, qui est un artiste chinois. Laughing. Il m'a fait peur. And keep on laughing until it starts hurting. Until you can't stand it anymore. Yes, trop bien. Donc vous avez en direct un petit commentaire de Yu Min-jun lui-même. Toi, par contre, c'est génial que sur le site, il y a un... Par contre, c'est stylé. Hein. Que sur le site, il y ait un commentaire de l'artiste lui-même. L'attaque des titans. Oui, on m'en a parlé déjà, Vilou. Mais est-ce qu'il y a un jeu, l'attaque des titans? Ça, c'est une vraie question. En slip. Ouais, en fait, Yu Min-jun, c'est un artiste chinois qui parle beaucoup de, bah, du parti communiste, de toutes les problématiques politiques et tous les événements politiques qu'il y a pu avoir en Chine. Donc, il y avait le truc de Tiananmen, tout ça. Il a fait une repro, en fait, pour ceux qui n'étaient pas tard, je vais vous montrer. On l'a enregistré, je crois, normalement. La fin. Attends, Yu Min-jun, tais-toi, s'il te plaît. Elle est là. C'est une... Alors la qualité est pas ouf parce que j'ai pas réussi à la... Pour le coup, elle, on l'a pas récupérée en super bonne qualité. C'est une reprise du tableau célèbre 13 des maillots de Goya qu'il a repris en mode à sa sauce à lui pour montrer les exécutions qui a eu lieu à la place de Tiananmen en Chine. Donc c'est un artiste qui parle de sujets hyper pas marrants par contre, hein, du coup. Du cel shading. Bah ouais, mais tu vois, justement, Radfat, c'est marrant parce que à chaque fois tu fais des trucs en pensant dire un truc léger, en fait c'est hyper pertinent, c'est vachement marrant, c'est trop cool. Et le style justement de Yu Min-jun, il se rapproche un tout petit peu du super flat japonais pour le coup, qui est justement, contrairement à des œuvres plus contemporaines avant le pop art, là c'est très, en fait, bah, super flat, vous voyez ce que ça veut dire, donc très plat, avec des zones très pleines, avec pas beaucoup de dégradés de couleurs, des couleurs très vives, et justement pas trop de contours pour le coup. Concernant Yu Min-jun, on est sur quelque chose où il n'y a pas vraiment de contours. Salut Rodi, coucou. L'attaque des titans, ça a dérapé. Je connais vite fait, ça m'a pas plu. J'ai regardé un épisode, ça m'a pas plu. J'ai pas aimé le visuel, moi. Décalage entre le rire des personnages et les sujets hyper malaisants. C'est exactement ça, Nabuzor, en fait. Et le commentaire de Yu Min-jun, en fait, qui vous explique tout simplement son... Il vous explique tout simplement son point de vue, en fait. Cette espèce de façade, d'ailleurs, que même la population de là-bas peut avoir sur quelque chose de très fier, très avec des coutumes, des trucs très carrés et tout. Et par contre, en fait, une politique qui, des fois, va être assez... va avoir donner lieu à des événements tragiques et des trucs hyper graves, en fait. Et ce délire de garder la face et tout, c'est que ça dans les œuvres de Yu Min-jun. Et il utilise même, je vais vous montrer d'autres œuvres de lui qu'on a notées, notamment celle-là, moi je l'ai gardée parce qu'elle est trop belle pour le coup. Elle est vraiment belle, hein. Celle-là, je l'aime beaucoup. Les œuvres de Yu Min-jun, en fait, il a même un délire un peu... Ça, c'est une reprise d'un tableau de Magritte, d'ailleurs. Celui-là, je peux vous le retrouver facilement. Attendez, hop. Magritte. Si je vous tape René Magritte, qui est un artiste surréaliste français. C'est ce genre d'œuvre qu'il a pu faire. Il y en a une avec des pommes aussi, je crois. Non, c'est pas celle-là. Bon, ça doit être celle-ci alors. L'affiche de René Magritte, oui, voilà. Magritte œuvre, oui. Il est belge, Magritte ? Il est belge ou français ? Ah non, Belgique, t'as raison, Constantin. Exact, my bad. Pardon. Exact, il est belge, bien vu. Mais merde, j'arrive pas à la retrouver bien, là. C'est chiant. Golconde. À retrouver comme ça ? Haha ! Non, toujours pas. Je peux la voir en belle ? S'il vous plaît, on la veut en belle. J'ai même pas... Je suis con, parce qu'en fait, on a un support et je m'en sers pas.
C'est terrible ça. Magritte, qu'est-ce qu'on a sur René Magritte? Pas grand chose. Pas grand chose sur là pour le coup sur Google Art et Culture. Des fois il n'y a pas tout, hein. Il n'y a pas tout le temps tout. Alors il y a celle-là qu'on a vue tout à l'heure. Mosque a été près de la fenêtre avec la musique. Ah, la musique de Elle est Noire, elle est trop belle cette musique. Un tableau avec des canards, sûrement, ouais. Et il y a plein de... Oh, c'est rigolo, ça. Il y a plein de reprises de ce tableau-là, celui-là, là. Donc, il s'appelle Golconde, qui est un tableau des années 50. Je voudrais vous le montrer en grand, et l'internet a pas trop envie. Si, voilà. Ah bah, parfait. Très bien. Hop. Ah, yes, trop bien. Très bien. Ah, yes, Vilou. Ah, putain. Mon Dieu. Ah, ouch. Herculade. Magritte, il a inspiré toutes les affiches de Stowday Sunday Post et du New Yorker. D'ailleurs, les unes du New Yorker depuis les années 70 sont choisies par une... Une? J'ai pas le mot. Je sais pas s'il est bien écrit ou c'est moi qui sais pas ce que ça veut dire, ce que t'as dit à la fin, Radfat. Il y a une reprise de ce tableau dans le manga Bonne Nuit Poun Poun. Bah, ce tableau, il est très connu, il a été repris de mille et une faces françaises, d'accord. je me disais bien. Et bah, par exemple, ce tableau-là de Magritte qui est très connu, c'est pour ça que j'aime bien Yoo Min Joon, parce qu'en fait, il reprend. En fait, il traite lui-même de l'histoire de l'art, mais tout en s'en servant pour parler de son pays à lui. Bah merde, on l'a perdu l'œuvre de... Mais non, je suis con, elle est là. Pardon. Alors j'avoue que la ref, ce format-là de la ref, il est un peu plus chaotique dans l'organisation, parce que forcément, vu que je parle de plein de trucs en même temps, qu'on rebondit sur plein de sujets, je vous avoue que je peux pas trop être organisée dans mon fonctionnement. Veuillez m'excuser. Et du coup, là, vous voyez, il a parfaitement repris le même système avec ce ciel qui est très caractéristique de Magritte, hein. Parce que René Magritte, il utilisait beaucoup d'espèces de ciel. Il y avait un truc au rapport au rêve et tout dans son travail. Donc, l'utilisation du ciel et des nuages, il est très très présent dans les œuvres de Magritte. Et là, pour le coup, et en fait, il s'en sert pour lui-même traiter d'un autre sujet. Et à chaque fois, dans beaucoup d'œuvres, il a toujours ces personnages qui... Bon, toujours, ils ont toujours la même tronche. Comme on disait tout à l'heure, qui font presque, on dirait presque des masques, hein, qui sont sur la gueule des gens. Mais en plus... il utilise souvent des espèces de couleurs et un espèce de jeu d'éclairage sur les visages qui fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que vous arriviez, qui fait presque, vous savez, comme un... Ça fait plastique, en fait. On dirait pas des vrais bonhommes, ça fait personnage en caoutchouc, presque. Et il y a un côté très enfantin qui vient vraiment casser, justement, le sérieux des sujets qu'il aborde, en fait. Et là, pour le coup, je trouve, pour une ref, c'est hyper intéressant. Mais là, comme ça, il n'y a pas de jeux qui me viennent en tête. Ils ont beaucoup trop dedans. J'avoue, je les ai pas comptés, mais oui, il y en a beaucoup trop. Ouais, ce serait marrant de trouver des rêves pour celui-là, mais là, j'avoue, ça, c'est plus difficile, je trouve. Attendez, je vous rattrape, parce qu'en même temps, j'ai pas pu voir tout ce que vous avez écrit. Putain de métier, seulement mon partenaire n'avait pas été buté par ce fou furieux de mafieux. Fou furieux de mafieux, ouais, c'est marrant à dire. Ouais, les œuvres de Yoo Min Joon, moi, je les trouve très intéressantes, mais c'est un peu plus dur à trouver. Sauf si on trouve des jeux en cel shading, mais qui parlent de sujets sérieux, à la limite, mais ça doit être dur à trouver. Et du coup, pendant ce temps-là, pendant que, à la limite, on utilise nos cerveaux tous ensemble, je vais m'occuper de trouver les jeux dont on a parlé juste à l'instant, que je vais pouvoir choper pour pouvoir les lancer ensuite. Ça va me permettre de faire une mini pause au niveau de... Et refoutre un peu de l'ordre dans tout ce foutoir, là, du coup. Hop. Alors. Obradine. Mais j'étais sûre de l'avoir. C'est fou, ça. Obradine. Ah. Attendez, on va aller sur le site magique pour le choper, parce que là, il est un peu cher. Pardon. Plouf. Ah, Return of Obradine. Tu l'as jeté par la fenêtre, non? Un petit peu, parce que j'avais pas trop aimé. Mais on va y jouer ensemble, ça va peut-être être mieux. Hop. Il est rapide à télécharger, en plus. Je pouffe. The Return of Obradine. Oui, c'est ça. Crypt of the Necrodancer, je l'ai. Et Owl Boy.
Owlboy. Je le trouve pas sur mon site. On va aller sur Steam. Merde, j'ai mis un accent. Quel con. Je l'avais pas trop aimé non plus, ça me faisait mal aux yeux. Alors moi, sans parler de ça, c'était surtout que je le trouvais très difficile. Genre vraiment très difficile. Et c'était pas marrant du tout comme expérience. J'avais pas passé un bon moment. Du coup là, je me dis, en étant avec vous, peut-être que ça passerait mieux, je sais pas. Ah là là, par contre, Owlboy, il est pas non plus sur... Attendez, on va le trouver facilement. Alors c'est peut-être la seule partie chiante du stream fait de cette matière-là, c'est qu'il me faut un petit temps pour trouver les jeux. C'est le seul truc. Je vais installer Obradine pendant qu'on y est, ça va être rapide. Avec plein de cerveau, ça ira mieux. Oui. Hop. Et Owlboy. Ah mais je suis con, j'ai qu'à aller sur... Je vais aller sur ce site là. Merde. Ah, je l'ai. C'est bon. Au pire, câlinons le monstre poilu pour patienter. J'ai trouvé Owlboy si t'as besoin de lien. J'en ai trouvé une aussi. Attends, je vais essayer de voir. Normalement, ça devrait aller. Hop. C'est bon, je l'ai. Il est en train de télécharger. Là, nous avons Return of Obradine qui est en train de s'installer. Et puis après, bah vous pouvez choisir déjà si vous, qu'est-ce que vous préfériez voir. Vous préférez commencer par quoi comme jeu. Vous préférez qu'on commence par Obradine, donc The Return of Obradine, par Owlboy ou par Crypt of the Necrodancer. Non, Rura, non. Non, j'ai dit non. Comme tu préfères. Mais non, mais dites, si je vous demande, moi je m'en fous. Un petit Crypt pour s'ambiancer. On peut faire ça. Hein. Super bien lourd. Non mais dis donc, hein. Ah non. Ne me reparlez pas de Super Mario quelque chose. Hein. Pour l'instant, je suis un peu fâchée. Ah mais entre... putain... avec Mario Land la dernière fois, au secours. J'ai passé un vilain moment. Hein. C'était pas terrible. Hein. Attendez, j'extrais juste Owlboy pour l'installer. Hop. Ah non, non. Faut le temps que ça cicatrise, oui c'est ça. C'est quoi le speech d'Obradine à ZP? Bah en fait en gros t'es un gars, enfin une personne, je sais même pas si c'est un gars ou une meuf, peu importe. T'es une personne qui enquête sur la mort d'un équipage d'un bateau. Et du coup la personne elle retourne sur le bateau pour mener l'enquête. Et c'est que en espèce de pixel tout bizarre. Vous lui avez fait jouer à quel... Non mais c'est moi hein. Ah, c'est moi qui... j'ai en fait lundi dernier, parce que j'ai déménagé, pour ceux qui savent pas, je viens de déménager. Et en fait lundi j'ai refait un stream parce que je venais d'avoir internet, donc toute contente je relance un stream. Et je lance un stream un peu chill, et on a joué à des jeux de Game Boy. Et moi comme une conne, bah, je me suis dit, bah, je vais vous montrer le premier jeu de Game Boy auquel j'ai joué de toute ma vie. Quand j'ai eu moi-même une Game Boy. Et du coup on a joué à Super Mario Land, le tout premier. Voilà. Et tout le monde m'a dit oui, mais le jeu tu le plies en 30 minutes, c'est facile, gna gna gna. Et j'étais là genre, ah ouais, non. Et j'ai vraiment galéré, on a réussi à le terminer. Et ce fut une affaire de moi qui rage beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup, presque autant que quand je joue à Blasphemous, c'est pour vous dire. Bon, ça s'installe un peu lentement, mais ça s'installe, hein. ça arrive. Est-ce que je peux lancer le jeu ? Jamais. Potentiellement, on pourrait... Bah, ça fait combien de temps, là? Ça va faire 2 heures de stream. J'imagine que là, on va arrêter de regarder des œuvres et qu'on va juste se mettre à jouer. Donc, techniquement, je peux fermer cette page. Style pixel art. Ouais, bah, du coup, Rura, on y joue pas parce que j'y joue moi-même en stream. Je fais un let's play dessus. Donc, bah, du coup, on y jouera... je vais vous spoil. Vendredi prochain. Voilà. Vendredi prochain. Ici, on est zen à skip. Ouais. C'est pour cette raison que si vous êtes sub à la chaîne, vous avez l'emote qui a été créé par l'occasion par Nejda, qui s'appelle Mielis Draven, qui est ma version de moi quand je m'énerve sur les jeux vidéo. Voilà. Oui. La petite Nejda m'a fait quelques emotes récemment, dont la fameuse Mielis Draven, qui nous sert énormément quand on joue à Blasphemous. C'est un plaisir. C'est terrible, hein. Au secours.
J'aime bien cette emote. Ah ben, l'emote a été inventée à cause de Nemish, hein, parce que c'est lui qui a trouvé le nom tout seul. La rage sur Galaxy. Non, non, mais on va pas en parler. Non, mais c'est pas obligé. On n'est pas obligé de tout raconter. Rura, c'est pas nécessaire. Ah, All Boy est installé. Yes, on a nos trois jeux. On va pouvoir commencer. Super. Petit Hotline Miami ou Escapist. Eh, Hotline Miami aussi, c'est un truc en pixel art. J'aime jouer Hotline Miami. Je connais pas du tout. Il est où Crypt of the Necro Danseur? Il est là. Yes. On va juste devoir configurer la scène parce que elle est pas correctement mise. Tout simplement parce que le jeu, je ne l'ai jamais lancé avec cette scène-là que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Jouer. Yes. Of the Necro Danseur. Yes. C'est parti. Fenêtre spécifique. Let's go. Hop, hop. Et normalement, c'est bon. Vous allez le voir apparaître dans quelques instants, si je dis pas de conneries. Marche pas très bien. Pourquoi ça s'affiche pas, au secours? J'arrive, hein. 2 secondes. Ah, bah voilà, quand même. Bon. Ok. Sachant que je connais le jeu, hein, donc j'y ai déjà joué. On va régler tout ça pour que tout soit impeccable, que ce soit le son ou moi. Parce que moi, faut pas que ça me gueule non plus trop dans les oreilles. Pour vous, c'est bon le son, là. Normalement, c'est bon. Par contre, je suis très nulle. Hein. Je vous avoue que j'y ai joué pas mal, mais je suis nulle à chier. Ok, impeccable. Ok, bon. Alors, ça va être une game de chauffe, hein. Ça marche, Kalios, pas de soucis. Voilà, ça va être l'histoire de s'ambiancer. Hein. J'aime bien, de temps en temps, je me le mets l'album de Crypt of the Necro Danseur parce que les musiques sont vraiment sympas. Merde. Oula, je vais faire la merde. Attends, il n'y a pas encore le marchand. Bomber les murs en or du marchand. Ah bon? J'ai des bombes là sur moi. Oui, j'en ai. Ah! C'est vrai, ça fait extra moula. Mais il va pas se mettre en colère. C'est bas et gauche. Oh, wow, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. On vient. Ah oui, si je lui pose une bombe dessus, il va pas être content. Ah merde, j'ai pas assez de sous. Enfin, j'ai pas de bombe. Putain! Oh. En haut et gauche! En haut gauche! Ah, miam miam, hein! Attendez, on peut prendre ça! J'ai une épée en or!
Merde. On est un peu dans la merde là. Ah, j'ai plus de vie, ça va être terrible. Ah oui, mais je vais mourir, Aetsuyu, donc on va falloir se retaper l'autre niveau. Hein. J'aime bien parce que les petits zombies remuent les fesses. Mais oui, les squelettes, faut attendre qu'ils soient les bras en l'air pour les attaquer, sinon ils nous attaquent, j'avais oublié. De la vie quelque part, ce serait bien. Merde. Oh là là, je suis dans la giga merde. Non. Oh là là, il y a du monde. Bah oui, mais je suis con. Oh non. Oh merde. Oh putain. Je suis dans la barbe à merde. Ah oui, clairement là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouch. Ah non non. On va retourner au lobby. Le diamant. How's it going? Bon madame. Hello. Mais j'ai que dalle là. Ah ouais. Plus d'or à massage d'or automatique. Ouais, écoute, hein, c'est toujours ça de prix. Hein. Putain, mais. Les squelettes, j'ai trop du mal avec eux en fait. Parce que j'arrive pas vraiment à savoir. C'est déjà ça. Un peu difficile de... J'ai du mal à parler pendant que je joue à des jeux de rythme. C'est pour ça que les jeux de rythme, j'adore ça, mais en stream, c'est toujours compliqué. Parce qu'il faut rester concentré, et en même temps... t'as envie de parler, de dire des trucs. Merde. Bel exemple, hein, par exemple. Voir à face qu'il y a encore un chouchou là. T'avais pas mis ton message du train. Mais j'ai pas de bombe, j'en ai qu'une. Et je voulais la faire exploser chez le mec. Tu connais ce jeu ou pas? Spécial. Comment ça spécial? Non, je connais pas. En fait, tu vois, comme tu peux le constater, mon personnage, il est obligé d'avancer en fonction des battements, donc du rythme de la musique en fait.
C'est pour ça qu'ils ont mis, je pense, des musiques un peu... punch un peu. Merde. Une boule de feu. Boule de feu. Géométrie d'âge vu du dessus un petit peu. Un petit peu, ouais. C'est un peu ça. Oh, putain, il y a une minotaur de merde aussi. Salut. Et Yoritomo. Ah, yes. On va pas perdre de temps. Je sors du lurk. Pourtant jaillit. Merde. Oula, y'a un mot que j'aime pas trop. Maman. Le marchand pour le coup. Parce que là j'ai plus trop de vie. Non. J'ai oublié de changer le nom du jeu. Attendez, on est encore en discussion. Ah, je suis dégoûtée. Ah, je m'en étais bien sortie. Je suis dégoûtée. Salut Artie, coucou. Comment tu vas? Et quoi ça? Enchantement d'armes. Let's go. Vous allez bien? Mais ça va et tout. Et toi alors? Comment vas-tu? Oh putain, mais les squelettes de merde. Ça m'énerve de perdre de la vie bêtement avec eux là. Je suis vraiment pas douée à ce jeu. C'est... J'aime bien le fouet. Petite bonne karma là. Oh là là, la chauve-souris du cul là. Encore le Minotaur, ça va, je trouve, à battre, il est pas trop dur. Voilà. Il est pas super dur à battre. Parce qu'on sait qu'il court en ligne droite jusqu'à ce qu'on a un. Jusqu'à ce qu'il se prenne un. Ah non, casse-toi toi. J'ai pas fini ma phrase, jusqu'à ce qu'il prenne un mur. Oui, on y joue parce qu'on cherchait des jeux en pixel art, puisqu'on a parlé du pointillisme, mon petit artiste. Du coup, le pixel art, c'est quand même un genre dans le jeu vidéo qui est un genre à part entière esthétique. Et du coup, ça correspond plutôt bien au pointillisme. Petit point bleu qui clignote dans le mur, Bobby caché. Comment ça, petit point bleu? Petit point bleu qui clignote dans le mur. Moi, j'en vois pas, là. Est-ce que quelqu'un peut être gentil, un petit amour, du coup, et veut bien...
envoyer un lien genre Wikipédia image ou un truc comme ça, qu'on puisse montrer aux gens qui viennent d'arriver, genre par exemple notre ami Arty, lui montrer l'œuvre de Félix Fénéon, le portrait de Félix Fénéon de Paul Signac. On voit tous les ennemis, emplacement de stockage, je m'en fous un peu, toi, ça m'intéresse pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse. Oh, merci, vous êtes gentil. Eh, on a récupéré plein de thunes. Donc là, artiste, tu cliques sur le lien que tu veux que le store t'enfile, c'est l'œuvre dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Ah, les deux bestes, hein. Les best modo. Oh, des bombes! Oh merde, j'ai appuyé sur le ralentisseur, quel con. Pardon, je voulais pas. Yep. Bonne soirée Constantin, des bisous, merci d'être passé. Il y a eu le scintillement. Oh non, je regardais le chat, j'ai pas fait gaffe. Ils sont mis à la Finlandie. Des bisous d'un bouseur, bonne nuit à toi, merci d'être passé, c'est gentil. Ah, le marchand. J'aimerais un truc pour reprendre de la vie, potentiellement. Tu es pour soigner. Oh, tu es pour soigner. Oui. Mais je vais mourir, j'ai plus de vie là, ça craint. Ah, le scintillement, je l'ai vu. Oh. Oula, non, pas par là. Ah, je savais pas, ça vit où, tu vois. Vilou est déjà super dur le jeu. Il est trop dur. Au secours. Oh putain. Oh, il est dur ce jeu. Je suis. Et en plus c'est juste qu'il faut commencer à apprendre par cœur les mouvements des ennemis. Bon, on se fait une dernière run et après on passe au jeu suivant, d'accord. Comme ça jamais 203. Allez. J'ai dépensé mes gemmes d'abord. Ah ouais. Gèle les ennemis. On fait une dernière run, après pause pipi parce que j'ai grave envie de pisser. Et après, enfin si je vais jamais le... Jamais 203, exactement. Ah pardon. Non, prenez des notes hein, parce que je vais pas répéter. Ouais. Et après, let's go. Restez pour essayer... Pourquoi il m'en reste... Ah mais j'ai rien acheté en fait, je suis con. Hein. Transforme tous les objets non équipés. C'est juste que... Ah mais tu l'as monsieur Neko et t'avais oublié. Trop marrant. Bah écoute, tant mieux parce qu'il est vraiment chouette hein. C'est Shebo qui me l'a offert le jeu. Il m'a dit ouais je suis sûr que ça va te plaire machin. Et il avait vraiment raison parce que j'adore les jeux de rythme. Merde. A chaque fois je me fais avoir bêtement au début du jeu à cause de ça.
Yes. Ouais, il est vraiment cool. Hein. Je vais chercher des gâteaux. Bah, t'as bien raison, petit Némiche. L'ultra instinct prouve que tu aimes ça. Ah, mais tu sais, ici, il y a des gens qui ne connaissent pas hein, l'ultra instinct. Ils ne savent pas ce que c'est. Oh ! J'ai pris grave des dégâts pour rien, je suis dégoûtée. Space Channel 5, je sais plus si j'ai joué. On a joué à Extech Mayhem aussi, que Kalios... Bah c'est pour ça que je l'ai prise, enfin que je suis bien contente de l'avoir trouvé l'épée. Qui reste en... Dans 3 tués, je pourrais récupérer un peu de vie. Si je meurs pas d'ici là, bien sûr. C'est vrai que n'importe qui peut acheter pour la modique sub... C'est combien? C'est 20k? Je me rappelle plus combien j'avais mis. Bref, à chaque fois, il faut que je fasse 10 ennemis pour récupérer. 20k, oui. On est connu pour Pingu. Ah, coup dur. Pingu avant. Ah ouais. Vous préférez voir Pingu que de me voir être trop forte sur... Merde. Merde. Bon bah comme ça c'est fait. Bon bah let's go. 55. Non. Oh merde. Bon. Merde, je suis pas celle. C'est pas le bon full cap. Celle-là. Bah d'ailleurs, vu qu'on va passer au jeu suivant, je vais faire une petite pause pipi, parce que j'arrête pas de boire de la flotte en ce moment. Et du coup, je vous mets là-dessus, et j'arrive. Et je vous laisse la musique pour le coup. Donc ça, c'est mieux. Jaillir pendant que j'arrive. Et t'as vu? Elle est souillée, il n'y a plus la chaise. Maintenant, il y a un écran exprès. C'est trop bien. Alors, attention, vous allez être déçus dans quelques instants. Parce que je vais fermer le jeu vidéo. Et voilà, c'est fini. Désolé. Désolé. Hop. Aïe. Petit voyage dans l'aile ouest. Ah oui, oui. Ah, maintenant, on peut se le permettre, les miches. Attention. alors, on fait quoi? Owlboy ou Obradin? Faudrait peut-être qu'on se le mette maintenant, non? Parce que ça va être difficile. Il va être dur, le jeu. Steam, tais-toi. Quitter Steam, oui. Donc, Owlboy ou Obradin?
Return of Obradin. Là, on va changer de registre. Hein. Ça va être quelque chose de beaucoup plus calme. Je suis désolée, hein, c'est un truc très superficiel ce que je vais dire, mais ça me stresse de ouf parce que j'ai une mèche là qui est un peu plus claire que les autres. J'ai des mèches un peu blondes. Et on dirait que j'ai pas de cheveux à cet endroit-là. Ça fait couleur peau, c'est bizarre. Obradin, qu'on puisse passer à autre chose après. Genre, vite, vite. Vas-y, tu sais quoi, on va lancer Obradin. Pour ceux qui connaissent, hein, vous pourrez m'aider un petit peu. Ouais, let's go pour lancer Obradin. Hop. Alors, je sais pas du tout si ça se joue à la manette ou juste au clavier souris. Je sais plus. Il y a un petit bruit de pipi qui me stresse déjà. Par contre, c'est clavier souris, je crois. Ah oui, ça va le jeu, calme-toi, j'aime pas commencer. Pourquoi tu cries là déjà? Déjà tu cries pas, ensuite. Déjà pour commencer. Et ensuite, on va rajouter une nouvelle capture de jeu. Hop, j'arrive. Du coup, force. C'est bon, quand je prévois pas le jeu à l'avance, il y a de la petite manutention à faire, bien évidemment. Ah, oula, pourquoi le fuck? Adapter à l'écran. Oui, voilà, c'est mieux. Voilà, ok. Alors, Obradin... Je l'avais fait apprendre à mes élèves, Vilou. Obladi, Oblada, life goes on. Ok, créé par Lucas Pop. Alors, sortie vidéo. Lycée. Sensibilité de la vue normale. Très fort. Fort. Moniteur. Oh, on peut changer. Oh, c'est stylé, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, c'est pour changer la couleur. Il a tout fait tout seul. J'avoue, c'est stylé. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. On peut mettre comme ça? Moi, j'aime bien, c'est joli. Le gars de Paper Please aussi, jeu sympa. C'est le mec qui a fait Paper Please qui a fait ça? Je veux les crédits à la MGS avec écrit le capot partout. Ah, je savais pas, par contre. Commande. Alors, action. C'est espace, zoom, pause. Ouvrir le livre, tab, fermer le livre, page suivante. Page précédente, sommaire. Ok. Très bien. Et bah, allons-y. Ah, apparemment, j'ai déjà lancé le jeu. Temps de jeu, 32 minutes. Et oui, je n'avais rien compris au jeu. Voilà. Lancer. Ah oui, oui. Ah non, clairement, là, vous pouvez y aller. Je vais découvrir avec vous, mais vous pouvez y aller si jamais il y a besoin. Là, on est sur de la découverte, pas en mode let's play. C'est juste pour découvrir le jeu. Et justement, c'est plus intéressant si on avance ensemble. Et puis, j'aime bien, ça fait de l'entraide. Moi, ça me plaît bien. Là, pour le coup, c'est pas du backseat en mode faire à ma place. Donc, ça va. Et merci de demander avant et tout. Perdu en mer 1803, Obradin, construction 1796, long, gnagnagna. Capitaine, monsieur Viterel, équipage de 51 personnes. J'ai pas eu le temps de dire la suite. À l'attention de l'inspecteur en chef, assurance et réclamation, bureau de Londres, Obradin est de retour, rendez-vous à Falmouth sur le champ et préparer une estimation complète. Ok. Yes. Company man woke me up. Type de la compagnie m'a réveillé. J'aime pas parler par-dessus les... Obradin. Ah, attendez, excusez-moi, 2 secondes, pouce. Je suis obligé là, de changer le nom des jeux pour le coup. Ouais. Seems a bit late if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. Hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. Merde, pardon, excusez-moi. Ok, alors, oula. Alors, je peux me déplacer. Je peux me déplacer comme ça aussi, ok.
Et en fait, moi, ça m'avait dérangé parce que je trouvais pas ça intuitif. Mais visuellement, c'est hyper intéressant quand même. Visuellement, c'est super intéressant parce que c'est vraiment beau. J'aime bien l'avoir mis dans cette couleur-là, c'est encore plus beau que l'autre. Violet turquoise, là, c'est joli. C'est très... Le jeu est très joli, hein, y a pas de problème. Et du coup, alors le truc, c'est comment on fait déjà pour ouvrir le bouquin? C'est tab. J'ai dû refaire mes touches parce que... commande. Exploration, zoom, action, ouvrir le livre. Bah ça marche pas. Sommaire. Zoom. J'ai pas le bouquin. Peut-être que j'ai pas encore accès alors. Je l'ai vu pas mal de fois en noir et blanc ces derniers temps. Mais noir et blanc, je trouve que ça fait mal aux yeux. Là, c'est des nuances, du coup, ça va. En fait, ce que je comprends pas, c'est les commandes du jeu. Je ne comprends pas comment on y joue. On peut pas y jouer à la manette. Ah si, on peut y jouer à la manette. Mais là, pour l'instant, à part zoomer et me déplacer, je peux rien faire. T'as un seul bouton d'action. Ouais, mais apparemment, ça fait rien pour l'instant. Ah, voilà. Oi! It's too heavy! Ah, faut que je l'aide. Faut que je vienne aider. Voilà. It's too heavy. Take it yourself or open it here. Ah voilà. Ah bah c'est pour ça que je pouvais pas ouvrir le carnet, je pouvais toujours essayer. Du coup on a un carnet. Retour de Bradin, catalogue d'aventure. J'imagine que votre rapport de Bradin, je m'attendais à ce que je arrive. Mon intention était de désigner le récit de l'étrange aventure de ce navire dans les pages de ce livre. Malheureusement, ma santé défaillante ne m'a pas permis d'en relater plus que de rapides aperçus. Qui suit, votre présence sur Bradin est de la plus haute importance. Je laisse entre vos mains la découverte de son sort ainsi que l'achèvement de ce livre. Les pages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord, mais le moment venu, tout fera sens. Utilisez la montre à gousset afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord. Achevez chaque chapitre le plus précisément possible et expédiez ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc. Notez que les détails du chapitre marchandage vous demeureront inconnus. J'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver. C'est dit Henry Evans. On a le voyage, le navire, l'équipage, la vie en mer. Donc le navire, Extrême-Orient, nanana. Croquis de la vie à bord de Bradin. Donc on a des... On a quelques... Feuilleter tout d'abord le livre, d'accord. Manifeste d'équipage avec la liste des passagers. Et en fait, c'est là où on va devoir dire qui sont les personnages et qu'est-ce qui leur est arrivé, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est un délire comme ça. Mais en fait, ça me fait penser... Mais j'en ai un sur mon téléphone, je peux vous donner le nom. Ce jeu-là, il m'a fait penser à... au Cross Logic. Vous voyez ce que c'est comme jeu ? C'est un jeu qu'il y avait dans les... Moi, ma mère en achetait au bureau de tabac. C'était des bouquins où il y avait des grilles. Et selon des phrases et des trucs de suite logique, en fait, on pouvait déterminer, par exemple, la couleur des vêtements de tel personnage, tel personnage, tel personnage, suivant des indications, par exemple. Hein. Et il y avait des petites situations différentes pour chaque... Oula, j'ai un frisson. Pour chaque page. Et un peu, c'est vraiment le même système. Bon, en soi, c'est pour ça que ça m'a étonné de ne pas aimer le jeu, parce que je le trouvais vraiment cool. J'adore ce genre de jeu d'habitude. Mais c'est juste que celui-là, je l'avais trouvé vraiment, vraiment difficile. La cargaison, dans la cale, il y a un truc entouré. Un froid mordant. Sur le pont inférieur, meurtre, machin. Devant la fenêtre du premier lieutenant. Il y a des pages vides, du coup, que je pense qu'il faut que je... Captif impie. Ok.
Dans la cale, soldat de la mer. C'est que tout est vide hein, pour l'instant. Dans le passage bâbord, dans la cale, le désastre. Sur le pont batterie avant. Le pont batterie, ok. Dans les quartiers du capitaine. Ce chapitre demeura un mystère pour vous jusqu'à ce que vous quittiez le navire et que vous me rendiez le livre. Tout le marchandage. Ok. Ok, donc c'est gnagna. Ok. Et ça, c'est quoi? Ouvrir ou fermer le livre et sommaire. Ok. Et on a la lettre. L'espèce de montre à gousset bizarre. Memento mortem. Ok. Et là, vous voyez le délire pixel. Il est intéressant parce que ici, on a des grosses zones pleines. Donc, on est quand même très, on est très loin d'un truc à la pointiste. Ou contrairement à du pixel de base, comme par exemple Crypt of the Necrodancer, vous aviez des petites touches partout qui vous donnaient les textures, par exemple, de la terre, etc. Là, c'est beaucoup plus subtil. Là, on est plus dans le deuxième jeu qu'on avait vu, là. L'autre jeu que j'avais noté aussi, qui est sur Switch, là. Comment il s'appelle? Je trouve plus la page. Aegis, je sais pas quoi, là. Aegis Defender, ça, là. Mais ici, on a quand même un travail intéressant. En fait, là, le pixel, il va vraiment servir pour créer des lignes. Donc c'est quand même un peu différent que le pixel art qu'on peut constater avec des œuvres pointillistes en fait. Donc. Donc on va commencer par exemple avec ce corps là. Voilà. Open the door! Kick it in! Ah! Lest we break it down and take more than those shells! Oh, cet accent. You bastards may take exactly what I give you! Hello. Donc ici on a... En fait, ça fait un espèce d'arrêt sur image sur ce qui s'est passé avec le capitaine. J'imagine que lui, c'est le capitaine, du coup. Peut-être que, du coup, grâce à ça, on peut l'identifier sur la photo qu'on a, parce qu'on le reconnaît, il a une moustache, et on reconnaît un peu sa gueule. Et il a tué... Il a tué ce mec-là. L'instantané, ce moment... Ouais, bah c'est Memento Mortem... ouais, c'est ça. Au moment de la mort... Du coup, est-ce que j'ai accès au livre, du coup? Ah non, ça disparaît au bout d'un moment. En fait, c'est ça que je comprends pas dans ce jeu. Genre, au bout d'un moment, ça disparaît, et je dois faire mes conclusions par rapport à ce que j'ai observé comme ça. Du corps, trois personnes étaient présentes. De qui s'agit-il? Alors lui. Le visage de cette personne est flouté dans tout le livre, devant la fenêtre du premier lieutenant. En revanche, son sort peut être connu, peut être ajouté. Essayer de nommer une personne dont le visage est flouté fait courir un grand risque d'erreur. Ok. Continuez à essayer d'être attentif. Les visages floutés sont révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier ont été obtenues d'une manière ou d'une autre. Donc, a connu un sort, on sait qu'il a été abattu, coup, décapité, dévoré, écrasé, électrocuté, explosion, lacéré, maladie, noyé, donc abattu. Abattu... Flèche? Mais non, il n'a pas été tué par une flèche. Coup? Non. Brûlé, décapité, démembré,
empalé, empoisonné, étranglé, frappé, gelé, lacéré, maladie, suicide. Ah, tir, pardon, j'avais pas vu. Arme à feu. Tiré par. Bah non. Par le capitaine, du coup. Par Robert ou machin. Donc, ça, c'est ce qu'on a lu. Emplacement du corps. Ok. Trois autres personnes étaient présentes. L'arme à feu, machin. Ok. En fait, c'est un jeu qui est hyper bien. Mais c'est hyper... Enfin, il est très... tout est expliqué, mais que à moitié. Donc tu dois un peu deviner par toi-même. Genre, par exemple, lui, on sait pas qui c'est, mais est-ce que c'est normal ou quoi? Et genre, je pense que quand je suis dans un souvenir, je peux pas aller me promener. Je peux juste observer ce que je vois et c'est tout. Il y a un truc dans le jeu. Un truc dans le jeu, c'est-à-dire. Ah, je crois qu'il faut que je prenne l'espèce de porte pour sortir du rêve. Enfin, du rêve de la montre. Ouais, c'est ça. Hop. Tu peux pas ouvrir de porte à l'intérieur des souvenirs. Oui, bah oui, forcément. Là, on en a un. Attendez, je vais faire le tour. Non, je vais d'abord regarder lui. Les images sont floues si tu as pas assez d'infos pour pouvoir identifier le personnage. Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Ils se battent. Alors, il y en a un qui se fait égorger. Le principe du jeu, c'est de se balader de cadavre en cadavre à l'intérieur des souvenirs aussi. Ouais, tu vois, parce que par exemple, ça, je suis incapable de pouvoir dire qui c'est, en fait, ces personnes-là. Parce que dans le souvenir, en termes de dialogue, il n'y a rien qui dit qui c'est, tu vois. Donc là, je peux dire qu'il y a... Oui, mais c'est normal, ok. Parce que du coup, si j'ouvre le bouquin, comme on fait déjà, comme ça... je suis incapable de dire où ça se passe, cet endroit-là, par exemple. Comment on fait déjà? Il y a le sommaire, j'y accède comme... Non. C'est comment déjà? Ah voilà, comme ça. L'équipage, la vie en mer, glossaire, dernière page. L'histoire commence par la fin. Oui, des fois les cadavres sont accessibles à partir des souvenirs. Du coup, là, par exemple, je suis incapable de remplir quoi que ce soit avec ce que j'ai sous la main, peut-être pour l'instant. Peut-être qu'après, je pourrais savoir, mais pour l'instant, je peux pas. Si je dis pas de conneries. Mais je sais, du coup, que là, il y a un mec qui est tombé. Je crois, hein. Ah voilà. Connu un sort, il a été égorgé du coup. Frappé, gelé, lacéré. Non. Non. C'était pas une épée, c'était un poignard, je dirais. Et du coup, ça, on peut pas savoir qui c'est. Pour l'instant. On sait juste que le mec a été... Cet inconnu était assassiné... Poignardé par un assaillant inconnu. D'accord, et au fur et à mesure, ça va se remplir. Ok. Donc par exemple, ce perso-là, le perso dont on sait là qui est passé par-dessus bord, je pense qu'il faut que je sorte du... Vous me dites si je me trompe, hein.
Du coup, là, il faut que je sorte du souvenir pour retourner à l'endroit d'où je sais qu'il y a un autre cadavre et refaire le souvenir. Re, Ratfat. Je crois, hein. Donc, par exemple, là, ok. Attends, là, il y a un autre gars, mais je sais pas si c'est le même. C'est le même gars. Là-bas. Il y a une lueur au loin. C'est pas le même gars, lui. Yes, trop bien. Oh. C'est pas très agréable comme bruit. Alors. Bonjour, monsieur. Alors, on a monsieur qui s'est fait poignarder là. Bidule s'est fait poignarder. Et lui s'est pris un coup de... C'est quoi? Matraque. Il s'est pris un coup de matraque. Non, c'est plus une matraque, si. Capitaine Moustache qui tue tout le monde. Mais c'est pas le capitaine, lui, je crois. Il est flou. Donc, tu vois, en fait, ils ont un peu tous la même gueule. En gros, c'est pas grave de pas avoir trop d'infos au début. Bah là, pour moi, c'est juste le même mec que tout à l'heure, mais qui, là, s'est fait attaquer par un autre gars derrière. Il s'est fait poignarder. Ok. Ça, par exemple, il n'y a eu aucune indication. Dans les quartiers du capitaine. Mais pour moi, c'est le capitaine. T'as raison, Etsu. Du coup, c'est le capitaine, non? Lui, là. Mais sauf que le mec, le cadavre, c'est pas le cadavre du capitaine, là. Il a pris un coup de matraque dans la gueule. De massue. Mais c'est pas être massue, vraiment. Si, on peut dire que c'est une massue. De lance. Ça ressemble à une lance. Moi, j'aurais dit que c'était le capitaine, mais je suis pas sûre. Un pic? Ouais, c'est un bout de bois. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Si, c'est une lance. Ça ressemble à une lance. Mais il l'a tapé avec le manche. Un bout de bois qui pique. Ouais, je sais pas. Là, il y a des gens, il y a des cadavres. Ici aussi. Tu peux supposer que c'est le capitaine qui les a tués vu que les sorts sont validés dès que t'en as 3 de corrects. Les sorts sont validés? Ah, genre ce qui leur est arrivé? T'as vite les réponses. Ok. Bon, attendez, on va continuer. J'aime bien ce genre de jeu. Après, à faire en stream, je sais pas si c'est intéressant. Genre, un let's play complet, je sais pas si c'est pertinent, intéressant à voir. Mais j'aime bien. Donc, alors, attendez, d'où je viens, là? Je sais plus. Je me suis perdue. Donc, alors. Ça, c'est de là d'où je venais. Donc, il y a le capitaine qui a tiré sur... Il y a Bidule qui est tombé par terre. Il y a machin encore. Ça te plaît plus? Un petit peu, ouais. Ouvrir le livre. Ouvrez le livre lorsque la montre à gousset est active pour atteindre directement la page. Ah! Oui, mais je sais toujours pas qui c'est, donc je peux pas vous dire. Et là, on a un nouveau copain. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a personne à aller voir. Pap, pap. Attendez, on va aller voir celui-là. Ah, Abigail. Ton frère. My friend. I shot him. Dead. I'll be with you soon, my love. Please forgive me. Merci mon ex pour le follow, bienvenue. For everything. Ok, nous avons un monsieur qui s'est suicidé malheureusement. Après avoir tué ce monsieur là. Alors, on a un monsieur qu'on sait pas qui c'est.
Ah, mais il y a elle qui est morte. Ah. Ah bah, elle, ça doit être Abigail. Du coup, je suppose que lui, c'est son frère. Non. Ah, mais peut-être... Attends. C'est pas le capitaine, lui. C'est le capitaine? Non, c'est pas le capitaine, lui. Ce serait le capitaine qui se serait suicidé? Non, ça doit être quelqu'un d'autre. Attends. Dans les quartiers du... Ah, peut-être c'est le capitaine, en fait. De qui s'agit-il, cause de la mort? Bah non, mais c'est le capitaine, lui. Ça a l'air d'être vachement le capitaine, quand même. L'usage de ces personnes n'est plus flouté. Donc, dans le manifeste, si tu trouves Abigail, t'auras le nom de famille et l'identité du frère. Ouais, j'imagine. Pour visiter les souvenirs de la montre, afin d'étudier les relations, les apparences et les activités. Utiliser les cartes, le manifeste et les croquis en parallèle des conversations. Ok. Il y avait 60 personnes à bord de ce navire qui a quitté l'Angleterre. Déterminer le sort de chacun ne sera pas tâche facile. Vous devez faire des suppositions à partir d'informations partielles. Vous pourrez déterminer certaines identités en procédant par élimination. Bonne chance. Merci. Pour moi, il s'est suicidé, du coup. Suicide, arme à feu. Et pour moi, ce mec-là, c'est le capitaine, du coup. Mince, je commence à m'intéresser. Je crois que je vais le réinstaller. Le triangle au-dessus des visages, c'est la difficulté. C'est la difficulté. Ah bon? Alors, attendez. Abigail, Wint... Ah ouais, c'est sa meuf, en fait. Parce qu'elle a le même nom de famille. Winterell. Et du coup, Oscott, ça doit être son jeune fille. Et du coup, machin Oscott, donc le premier lieutenant, c'est un des gars qui l'a tué. Après, lequel c'est, je sais pas. Ceci est peut-être correct. Les sorts sont validés par groupe de 3. Identifiez au moins 3 personnes avec les sorts corrects pour que les informations soient validées dans le livre. Donc je suppose que les 3 premiers à identifier facilement, entre guillemets, c'est le capitaine, sa femme et son frère. Et le frère de la femme. Ce sera plus simple, je pense. Donc, par exemple, si je sors de ce souvenir-là. Il a dit quoi, au fait? Abigail, ton frère, mon ami, je lui ai tiré dessus. Je l'ai tué, donc on sait que le frère... Ah! Attendez. Ah, j'adore quand ça... Quand tu... En fait, moi, ce que j'adore dans ces jeux-là, c'est quand tu... ton cerveau il commence à faire les connexions et que c'est bon, t'as compris. Parce que dans ce qu'il dit, il y a l'indice « Je l'ai tué, je lui ai tiré dessus ». Voilà, Etsuyu, c'est ça. Donc le frère, c'est forcément le premier gars, parce que les autres gens qu'on a vus mourir, c'était, ils sont pas morts tués par une arme à feu. Donc le frère du... Le frère, c'est forcément... Lui. Non, c'est pas ça. A été tué à coup de feu. Oui, voilà, lui, exact. C'est inconnu, donc. Lui a été un... Je suis un détective. Exactement, le frère, voilà, exactement. Donc ça, William Oscott, premier lieutenant, a été abattu d'un coup de feu tiré par le capitaine Robert Machin. Quoi? À quoi? C'est pourtant clair, Abid. Coucou. Voilà. Et du coup, là, si on sort, on va retourner... Est-ce que je peux retourner au corps de la meuf? Parce que il faut toujours sortir du souvenir pour aller d'un corps à l'autre, je crois. Parce que elle, la dame, elle est là. Je vais sortir du souvenir et voir si on va retrouver son corps ou pas. Merde, c'est pas par là. Oups. Ah non, je commence pas à me perdre dans le bateau, au secours. C'est pas clair, c'est Abigail. Pas forcément, ça dépend. Comment ça dépend, Frozen? C'est quoi les petites... Pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. D'accord, t'as des souvenirs où tu peux accéder directement à d'autres souvenirs de mémoire. Bah je sais pas, là ça va pas marcher. Mais là il y a le corps. Donc regarde, normalement ça devrait aller, non? Parce que tu sais, quand j'appuie sur action, ça faisait rien, donc j'ai supposé que je devais sortir du souvenir pour aller. Martin. Ah!
Ouf. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre dame? Oh, elle s'est fait attaquer par une grosse bébête. Ouch. Par un gros poulpe. On peut pas voir en entier, c'est dommage. Ah si, on voit un autre bout là. Ah, elle était là au même moment. Putain, mais c'était le bordel ici. Ils ont tous tiré dessus. Un gros magnifique poulpe. Oh, il est pas si gros, arrête. Ouch. Ouais, effectivement, là, ça fait mal. Hein. Ah ouais, ouais. Mais ça, faut attendre que la scène, elle s'arrête, en fait. Elle s'arrête d'elle-même, je crois, la scène. Voilà, elle s'arrête toute seule, je crois. Alors, de qui s'agit-il? Bon, ça on sait. Alors, il s'agit de... Madame Duchemol, elle est où? C'est elle. Et elle s'est fait... écrasée. Par le monstre. Bien joué! Trois sorts correctement dévoilés. Yes! Par une créature monstrueuse. A été abattue d'un coup de feu. Capitaine s'est donné à mort avec une arme à feu. Ok. Donc ça veut dire qu'on en a 3 sur 60. Putain, par contre, ça va être long. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Merde. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça nous amène vers un autre truc. Ah, c'est ça dont je parlais, Frozen, alors. D'accord, ok. Ok. Là, ça avait l'air d'être un captif ou un truc parce que c'était quelqu'un avec plein de tatouages et tout. C'est une personne avec plein de marques, des tatouages. Quelqu'un qui est... Il y a un matelot là qui essaie de l'aider. Il ressemble à Jean-Paul Gaultier un peu. Avec d'autres gens là. Il y a un monsieur qui a l'air asiatique. Je dirais que c'est des gens qui étaient genre des esclaves ou un truc comme ça. Il y a un autre monsieur là. Il y a un autre monsieur là. Là malheureusement il y a encore un autre monsieur. Est-ce qu'il a été démembré? Il manque un bras, je crois. Ah non, le bras est derrière, j'arrive pas à voir. Ou ouais, peut-être qu'il a été démembré. Lui, il a tiré. La musique, on dira. Le poème sur la septième... Ah oui, non. Qu'y a-t-il sur cette plage? Qui s'agit-il? Est-ce qu'on peut savoir ou pas? Attendez, regarde, qu'est-ce qu'il y a juste dans Passager? Alors... On a chirurgien en espion. Mais moi, j'aurais dit que c'est le mec qui est tout en haut. Demain, 11h. Ouais, exactement, Aratfa. Demain, on regarde Ao, le dernier Néandertal. C'est le film sur Ao, le dernier Néandertal. C'est un film sur... un des films sur la préhistoire qui a été fait par Jacques Malater, qui est une adaptation du roman. Chirurgien en espion. Je sais pas. En espion? Où tu lis espion? En second?
Ah, c'est moi qui ai dit en espion, sans faire exprès. Ah, pardon. moi, j'aurais dit que c'est... Comment il s'appelle le mec qui est sur le mât, là? Timonier, artiste, passager... Comment ça s'appelle Inconnu... Alors, on a des noms qui sonnent... Ouais, ok. Vigie. J'ai pas vu ce nom-là. Artiste. Inconnu, officier. Bossman, c'est quoi comme rôle? C'est quoi un bossman? Bossman en second ou bossman? Je sais pas ce que ça veut dire. Charpentier, maître au charpentier, cuisinier, boucher, canonnier, canonnier en second, commissaire... Timonier, artiste, passager. Moi, j'aurais... Parce qu'il est tombé de vachement haut, non? Bon, on sait pas, en fait. Bon, en tout cas, on sait qu'il a été démembré. Par la créature. Mais pour l'instant, c'est dur de savoir. Qui c'est? Il était présent avec lui et lui. Ah. Faut encore suivre la baballe ? Un nouveau copain. Ah bah c'est le monsieur qui était démembré aussi que j'ai dit tout à l'heure. Oh, du don. J'ai même pas le temps de lire, de boire un coup. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur? Ah bah, il s'est fait slurper. Ah non, attends. Bah... Attendez, je comprends pas ce qui lui est arrivé. Ouais, pour le coup, le pixel, il aide pas spécialement, parce que je comprends pas ce que c'est. Une explosion, c'est quoi? C'est un kraken? Oui, mais ça, là... Il se fait attaquer par quoi? En fait, j'arrive pas à comprendre comment il est mort, du coup. Il s'est fait démembrer aussi? Oui, ça, c'est la tentacule. Mais il y a un espèce de truc qui explose, on dirait. On dirait un visage, un peu. Des pistils. Alors, attends, parce que c'est pas clair là. La bite d'amarrage, attends, lance la poudre. Ah, c'est une explosion! Il s'est fait défoncer par sa propre explosion, je crois. Ouais, c'est une explosion. Cause de la mort. Électrocuté, on peut aller empoisonné, chute, brûlé. Ah, peut-être qu'il a brûlé, non, il a pas brûlé, je pense. Explosion, ah bah voilà. A été tué dans une explosion. Bon, on sait pas qui c'est, donc. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. Et là, ma montre, elle fait plus rien, donc je peux repartir de la scène. Eux, ils se sont pris les armes dans la gueule. Du coup, hop, on peut repartir. Pour les matelots et tout, ça doit être dur de trouver qui est qui à chaque fois, parce qu'il faut deviner un peu par hasard, parce que...
pas ouvert. On dirait des branches de la physalie, la créature. Ouais, un peu. Ah, quelqu'un se fait écraser par un canon. Ouch. C'est un canon, hein. Oui, c'est un canon. Bah, ça doit être peut-être un canonnier, j'imagine. On pourra peut-être essayer de deviner lequel c'est, s'il n'y en a pas beaucoup. Ok. Ah ouais, ouch. Quelle horreur. Lui, ça a l'air... Il est les plus vieux. Lui, c'est un monsieur. Il a aussi un petit machin de matelot, là. Pas les trucs à rayures, je crois que c'est des matelots, non? En tout cas, lui, il s'est fait écrabouiller... écrabouiller par le canon. Pendant que eux, ils dévalaient la... le truc aussi. C'est bizarre parce que le bateau tank, j'ai tendance à me pencher aussi, moi. Pour l'instant, les pires morts. La meuf s'est prise, la poule, le gars il se prend le canon. Ah oui, non, mais c'est horrible. Hein. Bah après, les morts dans un bateau comme ça, tu sais, par expérience avec The Terror, que bon, tu finis jamais paisiblement dans ton lit. Hein, je pense pas que ce soit très commun, du coup. Ah, vous connaissez The Terror? Non, je vais arrêter de parler de The Terror, les gens me détestaient à force. Alors, qui c'est? Attends, plus d'explications, essayez quand même. Attends, attends, bah oui, mais je voulais au moins essayer. Écraser. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Écraser par un canon. Mourir du tombac. Ah, quelle horreur. Inconnu. Attends, plus d'indices, plus d'explications. Ah non, mais non, mais je sais. Non, non, mais je sais ça. Je sais, je voulais juste regarder la liste. Attends. Parce que pour moi, c'est sûrement peut-être un canonnier. L'équipage. Voilà. Comme ça, on peut regarder l'équipage. Donc, Abigail s'est fait tuer par un monstre. Canonnier. Canonnier en second. Ah! Attendez. Pardon. Canonnier, il y en a que deux. Ah, mais on peut supposer, pour moi, Christian Wolfe, c'est peut-être le vieux qui l'a appelé à l'aide, et le mec qui est mort par le canon, c'est peut-être le jeune. Ouais, puisque c'est le jeune, exactement. Aulus Viateur, c'est un polonais, donc je sais pas comment ça se dit. Du coup... c'était où? Merde, par contre, c'est où que ça s'est passé? Ah, faut que je retrouve la page, par contre. Je suis à fond dans l'enquête, maintenant. Ah oui, moi aussi, je commence à rentrer dedans. Ah, attendez. Canon détaché. Essayez quand même. Moi, je dirais que c'est lui. Hop, et avec un peu de bol. Ah. Ça va nous amener à ce monsieur. Qui a quand même l'air d'être la deuxième moitié du monsieur. Le jeu dure combien de temps environ? Je sais pas du tout. Si quelqu'un peut le checker sur How Long To Beat, ça pourrait être sympa. Je sais pas du tout combien de temps il peut durer. Du coup là, 8-10 heures. Oh, en vrai ça se fait, hein. En vrai ça se fait. Après on va quand même arrêter parce qu'il faut qu'on joue à... On va finir sur Owl machin là. Alors... Alors attends. Qu'est-ce que c'est ?
Il y a un truc à exploser encore, non? Ah, c'est le canon, t'as raison. J'avais pas fait gaffe. Oui, oui, exact, c'est un canon. Oh, le mec s'est fait tuer par un canon, quelle horreur. C'est un tir, ouais. Ouais, c'est l'explosion du canon, effectivement. C'est horrible. J'ai mon nouveau numéro 1 pour la pire mort. Est-ce que le sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes? Il y avait des enfants qui jouaient. J'adore. C'est, tu sais que c'est un des rares morceaux de Johnny Hallyday que j'aime énormément. J'aurais bien aimé toucher du sable une fois entre mes doigts. Oh là là. Alors, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Ah, parce qu'il y avait deux gars. La mèche! Ah merde. Ah mais j'ai pas vu qu'il y avait deux corps, moi. Vous avez vu qu'il y avait deux corps? J'ai pas fait gaffe. Oui, moi aussi, les miches. Pour moi, il n'y a qu'un seul corps. C'est qui ces deux mecs là? Pourquoi il y en a deux? Ben, si c'est lui, du coup. Du coup, démembré. Par. Ben, on sait pas. De canon plutôt. Ouais, déchiqueté par un bouet de canon. Voilà. Mais par qui, on sait pas. Parce qu'il y a que deux canonniers, mais le canonnier qu'on a vu tout à l'heure, pour moi, c'est le mec qui est mort. Parce qu'il s'est précipité vers le canon, en fait. À moins que qui a... par qui? Par le premier mec? Le chef canonnier qui aura allumé la mèche? Mais ça m'étonnerait. Ou alors c'est le petit gamin qui avait allumé la mèche. Moi, le problème dans ces jeux-là, c'est que je commence à partir dans des explications de ouf. Qui est mort? Où ça? Bah merde. Là, il n'y a rien qui brille. Non. Ah, là, pardon. J'avais pas vu. Mais voilà. Tatat. Alors. Il y a le petit jeune. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait démembrer. Écraser même, je dirais. Parce que l'espèce de kraken, il a avalé la personne et ensuite il l'a amené vers lui. Il s'est fait mouliner. Ouais, un peu. Pour moi, il s'est fait écraser. Hein. Pas spécialement démembrer. Il s'est surtout fait écraser par le canon. Par le canon et la bestiole. Enfin, à cause de la bestiole. Bon, les messieurs là, je sais pas, mais lui, ouais. Ok. Je fais le dernier et après on arrête pour essayer All Boy. Pose de la mort.
On sait pas qui c'est. Il a été écrasé par un canon. J'aurais... Ou alors par le monstre plutôt. Non, par le canon. Le canon, je dirais. Voilà. Et ça sauvegarde automatiquement. Donc on peut revenir à l'accueil. Ok. On va pouvoir passer à la suite. Bah, c'est pas mal en fait. Enfin, faut, je pense que c'est un jeu, faut y jouer un peu à tête reposée. Ou alors à plusieurs pour un peu réfléchir ensemble. Mais c'est pas mal. Le jeu est sympa. J'aime bien. Du coup, on peut peut-être espérer voir le jeu en stream. Je sais pas. Faut voir. Je sais pas si ce serait très intéressant. Parce que des gens aimeraient bien voir ce jeu-là en stream. Je sais pas. Je sais pas du tout. Le dernier. Et après, on arrête. Mais quand même, on finit par Hellboy pour voir ce que c'est. Quand même. Histoire de voir. Hop. Alors... Moi, je veux bien revoir ce jeu, moi. Bah, pourquoi pas? Oui, oui, je peux le garder dans un coin et on peut tout à fait, pourquoi pas, espérer le revoir plus tard, peut-être. Oui. D'ailleurs, ma cam, normalement, elle est vachement plus par là. Là, il y a... Vous savez que ça me stresse, moi, quand il y a du blanc. Là, là, il n'y a rien, ici. Faut que je mette des trucs. J'aime bien quand il y a plein de trucs partout. Le deuxième... Le dernier jeu, pardon, que je vais lancer sera donc Hellboy. Et d'ailleurs, on va pouvoir après, par la suite, ajouter notre... Bah, je pense qu'on peut... Procession to Cavalry, tu l'as fini, Miss? Non. Je n'avais pas aimé, en fait, la fin, l'évolution du jeu. Autant For Last Things, j'ai trop aimé, c'était trop bien. À jouer tous ensemble, c'est cool. Bah, quand on réfléchit tous ensemble, moi, je trouve ça plus rigolo. Je suis pas quelqu'un qui est en mode « Non, je vais découvrir le jeu toute seule et tout. » Il y a certains jeux, je trouve ça vachement rigolo de jouer avec plein de gens. L'avantage d'être en stream, c'est que c'est comme si j'avais des copains à côté de moi qui me regardent jouer. Un peu comme quand vous alliez chez quelqu'un et que chacun jouait... Enfin, on jouait à un jeu solo à plusieurs. Moi, j'aime bien jouer à ce genre de truc. J'étais à fond pour réfléchir avec toi. Bah, pourquoi? En vrai, ça vous tente. Et en plus, c'est vrai que sur cette chaîne, on est habitué aux jeux un peu d'enquête, de machin. Ça peut être sympa. Ça peut être très très cool. Ah non, non, un peu Hellboy, au secours. En vrai, si ça vous plaît, pourquoi pas se le mettre... sachant qu'il n'est pas très long non plus. En vrai, on pourrait le faire, effectivement. Hellboy, je le lance. Et il faut que je pense à rajouter le... Bah, du coup, je pense qu'on va peut-être pas... On va pas garder Yumin Jun en artiste. Je pense qu'on pourra dédier cette rêve, finalement, au bantisme... Et à notre ami Paul Signac. Ah d'ailleurs, avant qu'on lance le jeu, je peux vous montrer. Non, pas ça. Enfin si, attendez, ça, parce qu'il faut que je le fasse. Je pouf. Tac. Tac, tac. Voilà. On va l'appeler. Ah merde, la source, je vais la renommer. Attendez deux secondes. Renommer. Hop. On va la mettre adaptée à l'écran. Voilà. Attendez, avant qu'on fasse ça, je vais juste retourner là pour vous montrer avant. Parce que je voulais vous montrer quand même. On parlait de Signac. Et en fait, si vous voulez connaître au moins deux artistes de cette période-là, je me suis encore trompée de scène, au secours. Vous pouvez aussi vous référer à un autre artiste du même genre qui s'appelle Georges Seurat. Et en fait, Georges Seurat et Paul Signac se connaissaient et travaillaient quand même un petit peu ensemble. C'est pas super ouf. Je vais sur Google Art and Culture en espérant trouver l'œuvre. Georges Seurat. Voilà, super. Ah bah on va l'avoir là. On peut l'avoir là ou pas? Yes. Est-ce qu'on va l'avoir en bonne qualité? J'ai peur que non. Ah, on n'aura pas mieux que ça. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc c'est Dimanche à la Grande Jatte, qui est un tableau qui est très très connu de Seurat. Et je vous montre ça parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer une variante à ce qu'on a pu voir avec, par exemple, Paul Signac, qui, vous avez vu, c'était vraiment presque des petits points. Alors que
George Sera, lui, c'est un autre style. Si vous regardez bien là, lui, ça fait plus des trucs croisés. Vous voyez, des espèces de petits coups croisés, ici. Je vais l'enregistrer, l'image, et je vais essayer de vous la montrer de plus près. J'aimerais bien la trouver dans une qualité encore mieux. Dimanche, à la grande jatte de Sera. On dirait presque des traits ou des fibres, exactement. Je vais essayer de vous montrer. J'espère pouvoir la choper en super bonne qualité. 1200... Ah, là, on en a une super. Une superbe. Ouais, mais je vais quand même l'enregistrer dans le dossier. Et là, normalement, on peut faire un giga zoom. Mais peut-être que là... Ah, c'est tout pixel, tout moche. Merde. Ah, c'est chiant, je voulais vous montrer des super détails. Il n'y a pas détaillé de ouf. Il a même fait le cadre. Hein. D'ailleurs, Georges Sera a fait le cadre également en pointillé. Si vous regardez bien. Je trouverais pas mieux. Ouais, je trouverais pas mieux, désolé. Pour voir de très très... Ah, quoique, là, peut-être il y a moyen. Si elle met du temps à charger comme ça... Mouais, bon. Bon, finalement, on va peut-être rester là-dessus, parce qu'au moins, de près, je trouve, là, on arrive quand même à voir les coups de... On arrive quand même à les voir. Ici, vous voyez bien les espèces de coups de... Ouais, ça fait comme des traits, presque. Mais ça reste du point... C'est du pointillisme aussi, en fait, parce que, encore une fois, ce ne sont pas des aplats. Dans le cadre, on voit que c'est un petit peu plus des points, mais là, on voit que c'est des espèces de coups de couteau, un petit peu. Donc, couteau de peinture, hein, bien sûr. Et du coup, c'est la même chose. C'est que ici, il y a quasiment aucune... Il n'y a pas de ligne, en fait. Mais par contre, si on regarde de loin, donc si je mets au zoom minimum, hein, donc l'image la plus loin possible, on peut voir que là, il y a des traits qui sont... En fait, de loin, ça forme vraiment des traits droits et des formes pleines. Alors que quand vous zoomez un max, vous voyez que c'est jamais vraiment plein. C'est que des petits coups de couteau, en fait. Et donc, je voulais vous montrer Georges Sera, parce que pour le pointillisme, ou appelé aussi divisionnisme, divisionnisme, en fait, ça va être, en gros, si vous voulez, un rapport chronologique à l'histoire de l'art, c'est qu'on a le pointillisme, comme ce qu'ils ont fait là, et après... quand vous avancez dans le temps, plus vous avancez dans le temps, plus vous allez avoir des artistes qui vont vraiment faire ce qu'on appelle le divisionnisme, avec des écarts encore plus larges entre les couleurs et les fameux points de couleur, en fait. Si je vous montre divisionnisme art, quand on commence à aller vers pointillisme, néo-impressionnisme, post-impressionnisme, non, c'est pas ce que je veux. En fait, vous voyez le divin... Ah, cette œuvre-là. Ça, je sais plus de qui elle est, exactement. Bah, c'est encore une œuvre de Signac. Et voilà, exactement. Ça, c'est une œuvre de Signac. Mais c'est une œuvre plus tardive de Signac. Donc, 1906 pour celle-ci. Et vous voyez la différence avec l'autre œuvre qu'on a vue juste avant, rien que le portrait de Félix Fénéon. Là, on est vraiment dans des gros aplats très larges et où il y a de moins en moins de détails. C'est ce qui va amener ensuite à l'abstraction, en fait. En gros, si vous voulez un petit cours vite fait d'art en général, d'histoire de l'art, c'est petit à petit, les artistes, ils ont compris que... Mais en fait, c'était pas nécessaire de représenter les trucs vraiment comme ils ressemblent dans la vraie vie. Donc petit à petit, ils se sont intéressés à des trucs plus... abstraits comme juste la couleur ou juste les formes, et donc petit à petit ils ont arrêté de faire du détail. Vous voyez, exactement, c'est exactement ça, parce que si je vous remontre là, vous avez Georges Sera avec truc à la grande jatte. Si vous regardez de loin, il y a plein de détails, et le plus intéressant pour vous montrer la différence entre ça et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vous remontrer le tableau de tout à l'heure. Si je retourne voir Paul Signac, merde, j'ai marqué poil, Paul Signac. Tac, il est où notre bateau là? Ah bah là, vous avez un super exemple. Vous vous rappelez notre petit... In this abstract pain... Ah, ta gueule. Nous, on veut juste le... on veut juste le tableau, non, arrête de nous faire chier. Voilà, merci. Paul Signac, exactement. Voilà. Vous vous rappelez donc de cette œuvre là, donc qui s'appelle le Lagoon of Saint-Marc à Venise. Hop. Vous voyez la différence? Vous voyez les traits de couleurs qui restent encore... qui laissent encore place à beaucoup de détails, en fait. Et là, vous avez, bim, juste après. Coucher de soleil sur le port de Marseille, pouf. Vous voyez la différence, vraiment, genre, entre les deux? C'est ouf, hein. Et celle-ci, 1905 à 1906. Vous voyez l'évolution du gars en si peu de temps, en fait.
c'est qu'il y a une, en fait, il y a une vraie, il y a vraiment une réflexion de pourquoi est-ce que, pourquoi faire de cette manière-là. Et en fait, ce que ça inspire par la suite, c'est que ça, tous ces artistes-là, ils ont aidé à voir émerger en fait des artistes comme les artistes plus abstraits, qui vont du coup ne plus représenter de choses vraiment, et en fait s'intéresser à la peinture en elle-même en tant que peinture en fait. Et être plus intéressé par la matière et ce genre de choses, ce qui est assez intéressant à voir. Voilà, c'était ma petite conclusion artistique avant qu'on saute vers le dernier jeu. Je trouve que c'est une bonne transition. Ouais, je trouve que c'est une bonne transition. Enough of going back. Pardon. Le truc était resté sur... voilà. Non, on va pas mettre en italien, nous on veut... Eh merde. Il est où en français? Au secours. Continuar. Continuer. Voilà. Bon, on y arrive exactement, Kamisama. Alors attendez, par contre, je vais mettre en plein écran, parce que moi, je ne le vois pas du tout en plein écran. Ah oui. Ah oui, je veux bien, oui. Ensuite, on va baisser un peu le son, même si ça, la musique a l'air très jolie. Voilà. Manette. Montrer la trajectoire. Garder la souris, afficher gna gna gna. Menu principal. Nouvelle partie. Let's go. Vénéré. Salut Linko, coucou, comment tu vas? Oups, j'ai tout cassé. Glorifié, sage. Ça va? Ouais, on est dans la dernière partie, on joue au dernier jeu de la soirée. Voilà ce que nous les chouettes voulons être. Durant des siècles, nous avons travaillé dur pour gagner le respect que les gens ont pour nous. Et en cette heure où les temps deviennent de plus en plus durs, tu devras toi aussi, en tant que mon élève, porter le fardeau de ton espèce sur les épaules. Je constate que tu es déjà jeune, une jeune chouette respectable, Otus. La musique a l'air vraiment cool, très enchanteur. Ouais, avec le temps, tu te transformes en mon portrait craché. Pardon, je peux pas lire. Je fatigue. Ne sois pas si nerveux, c'est un grand moment pour toi. Bien que tu sois né muet, c'est pratique, tu deviendras sous ma tutelle l'un des piliers de notre communauté. Je vois que nous avons du pain sur la planche. Je sors d'une partie de Mario Party et je vois que j'ai eu un sub, je suis une superbe streameuse. Ah oui, il y a eu, tout le monde a craqué son slibar tout à l'heure, il y a eu un train de la hype et il y a eu beaucoup de subs offerts, dont un pour ta jolie petite poire. Ben, je t'en prie, je sais pas qui c'est qui l'a offert. Ne sois pas inquiet, je vais te remettre sur le droit chemin. Je vais être honnête avec toi, Otus. Tes résultats scolaires récents laissent plus qu'à désirer. En y réfléchissant, il est possible que tes talents résident dans un autre domaine. Aujourd'hui, nous allons donc voler. Je parie que tu attendais ce moment avec impatience. Bien, alors écoute-moi attentivement. Tout ce que tu dois faire, c'est sauter. Une fois en l'air, déploie-toi de toute ton envergure et bats des ailes. La cape chouette que je t'ai donnée devrait faire le reste. Oh. C'est très beau, il est très joli le jeu. Vous voyez, ça c'est ce travail de pixel art que j'aime bien. C'est ce travail là, tout en détail, des tout petits détails avec des nuances de couleurs. Rien que les nuances de couleurs qu'il y a sur l'arbre, l'espèce d'arbre là, c'est trop beau. Ça a des contrôleurs de maths les chouettes, je sais pas. Le jeu date de quand? Bonne question. D'ailleurs, attendez, bah, vous savez quoi? Je vais en profiter pour changer le titre du jeu. Du stream, pardon. 2016. Hop. Merci Aetsuyu. C'est mon type de pixel préféré aussi. Ouais, je préfère vraiment ce système-là. Ah ! J'arrive pas ! Bien. Ce vol était plutôt catastrophique. Je dois dire que je suis très déçu. La plupart des élèves réussissent instantanément. C'est moi, il est en train de renifler, genre... Demain, nous reprendrons les études classiques. Cela me fait trop de peine de te voir voler ainsi. Bah yes, super.
Vitotus Velico... J'ai plus le temps de lire. Les gens ont besoin de notre aide. La sécheresse n'est pas aussi tolérante que je le suis à propos de ta lenteur. Pourquoi tu laissais ce pichet d'eau sur le sol? Ramasse-le immédiatement, dépêche-toi. Une minute. Tu as secoué le pichet dans tous les sens. Laisse-moi vérifier qu'il reste de l'eau dedans. Pose-le ici. Ah, attends. Oh! Mais c'était marqué lancé! Je t'ai demandé de le poser, pas de le détruire! J'ai pas fait exprès! Quand va-t-on apporter de l'eau aux villageois à présent? Ah, il sue, hein. Il sue à grosses gouttes. Ça va pas fort! On n'a pas parlé de The Messenger pour son pixel art, non? Non, pas du tout. À demain. Bah, demain, monsieur Neko, t'es tout timide, qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est moi qui ai fait ça! Mais j'ai pas fait exprès! Je te garantis que les autres apprendront que ton incompétence nous a coûté, tu as compris? Mais... Les mots me manquent pour te dire à quel point tu m'as déçu, Otus. Laisse-moi. J'apporterai l'eau à Véli moi-même. Pourquoi vous êtes méchant? C'est la faute du jeu, mais c'est vrai? Tu m'as déçu encore et encore. Aujourd'hui, pas de leçon. Mais... Tout ce que tu as à faire, c'est parler aux autres villageois. Facile, non? Même toi, tu peux y arriver. Quoi? Ne reviens pas tant que tu n'as pas appris ce que tu dois savoir. Mais... Les vérités à ton propos? T'es sûr de vouloir les connaître? Oh là là, ça va pas fort. Hein. Oh, le pauvre! Tu veux savoir la vérité? Toi, muet, toi, pas pouvoir répéter de toute façon. Pourquoi tant de nervosité, Otus? Bien sûr, t'as toutes les raisons de l'être. Non, arrêtez, c'est pas gentil. Ouf. Ça va pas fort, hein. Otus! Mais non, mais il va encore m'insulter, là! Otus! Enfin réveillé, j'espère. Oh. Nous allons être en retard. Heureusement que je suis venu te réveiller, tu aurais fait la grasse matinée. Sors de ton lit et... Tout de suite, et retrouve-moi dehors. J'aime bien le qui s'est baissé pour sortir. Oh là là, regardez. Là, vous voyez tout l'intérêt du pixel art, là. Ça, c'est beau. Hein. Et pourtant, je vous dis, hein, je n'aimais pas ça, à la base. Hein. Vous voyez, avec la lueur du feu, toutes les variantes de couleurs qu'il y a, là, sur les murs. C'est trop bien. Oh, mais... Boire. Avec RT. Ah, pas mieux. Otus, reste concentré, monte là-haut. Te voilà, Otus. Aujourd'hui, nous monterons la garde sur Véli. Des pirates sont venus dans les parages récemment. Tu connais la musique. Si tu vois quelque chose de suspect, signale-le aux gardes ou à moi. Des questions? Non? Alors au travail. Comment il se la pète? Oh, il y a des anneaux. Aha! Miam.
bouffer, moi, m'en fous. J'avais pris ce jeu parce que le verre me rappelait le verre qu'on voit chez moi. Le verre ? Ah, la cou... Oui, d'accord, ok. J'avais pas compris. Alors, au bout d'un moment, il s'épuise. Je crois qu'il peut pas aller plus haut au bout d'un certain temps ou je peux voler à l'infini ? Parce que là, ça a l'air d'aller. Place de Véli en bas. Ok. Fais aller plus haut, au secours, Vilou. Salut toi. Hey mon gars. Oh, il est rigolo lui. Hey mec, t'es de garde aujourd'hui. Tu veux faire un truc de... Ok. Au-tu, si Gedi, le duo inarrêtable. Peut-être qu'on devrait se faire ce voyage sur Avent aujourd'hui. Dis-moi quand t'auras fini ta journée. Moi, je serai ici à réparer ce canon. Faut être prêt à toute éventualité, pas vrai? Il a une bonne tête, lui. Eh. Attends, pas par là. Salut. Salut, petit Otus. Toi, chercher pirate? Moi, y en avoir vu. Ok. À l'ouest, au poste de guet. Toi, aller voir si tu veux. Ah ouais, grave. Et puis, fauteur de troubles être dans le village. C'est pas toi, hein? Quelqu'un volait mes bongos. Toi, bien ouvert l'œil. Ah, la musique est très mignonne. Oh! Oh! Oh, dis donc! Vous les chouettes, vous bossez dur. Les élèves de Strix montent la garde un peu partout. Depuis Avent, je suis tout rouge au secours, j'ai chaud. Et toi aussi, t'es là. Je préfère me détendre dans la source chaude. Héhé. T'as l'air de pas supporter la chaleur, mon gars. Laisse-moi t'apprendre un petit truc pour lutter contre. Tu sens ça? Le tout, c'est d'accepter l'eau brûlante. Se relaxer dedans, s'y plonger tout entier, essaie. Voilà. N'oublie jamais de prendre le temps de te détendre. Croisant le vieux Toby, c'est le roi de la détente. Ah bah oui, ça a l'air, hein, effectivement. Ah! Effectivement, ça a l'air d'aller. Attendez, je vais aller à gauche, du coup. Ah, je peux rentrer là-dedans? Oh. Maison de mandoline. Chose que j'aime. Les fruits de mon jardin, les instruments de musique, me produire... Merde, le tabouret. Me produire devant les spectateurs. J'ai achevé de composer une magnifique chanson ces derniers jours. Je vais peut-être quitter la ville pour pouvoir la jouer devant une grande foule. Ah oui, elle est belle. La petite cuisine équipée, elle est mimi. Hein. C'est très mignon, tout ça. Ah bah. Oh, salut Otus, t'es de garde aujourd'hui. J'ai entendu parler d'un fauteur de troupes qui rôderait dans les parages. J'espère vraiment que c'est pas un pirate. J'en ai entendu tellement d'histoires terrifiantes à leur propos. Il en existe même un gigantesque. Comment leur navire ne coule-t-il pas avec de tels pirates à bord? Mais à Véli, nous sommes en sécurité. Et c'est juste de pas trop batifoler, d'accord Otus? Tout ira bien tant que tu resteras concentré sur ta tâche. Oh, c'est très mignon! Je peux te le donner? Lancer. Bah, j'ai tout bouffé, hein. Désolée, madame, mais... Bah oui, mais elle a pas l'air bien épaisse, la madame, donc ça va. Oh. Pourquoi c'est tout jaune d'un coup? Normal qu'elle est pas épaisse. C'est pas moi! Oh! Bouh!
Eh, tu l'as bien eu, Phoebe. Ouais, Bonacci. Bonacci, pardon. Il faut croire qu'il s'est volé après tout. Oh là là, t'es tellement peureux, Otus. Les chouettes devraient être fortes et intrépides. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée que tu montes la garde? Tout le monde ne te prend pas pour un idiot. On dit Leviosa, et pas Leviosa. Oui, oui, je sais. Je veux dire, est-ce que t'es une vraie chouette, au moins? Lui poser des questions, ça sert à rien, Phoebe, il peut pas répondre de toute façon. Oh non, j'ai l'air fatiguée en plus. Ah ouais, il est muet. Muet, cet idiot d'Otus. Oula. Hé hey, lâchez-le, vous deux. Et retournez patrouiller ou je vais le dire à Strix. Ignore-les, Otus. Ce sont de vrais gamins. Et pourquoi je t'accompagnerai pas? Je t'aiderai à monter la garde. On leur montrera. Viens me ramasser et allons-y. J'ai un copain. Oh. Oh, la petite animation là. Mon copain, Geddy, mais Geddy ou Geddy, je sais pas comment on dit. Geddy, meilleur ami d'Otus et mécanicien de la force de défense de Veli. Geddy détient un blaster en général efficace en combat, mais pas contre les roches ou de l'acier. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Et je peux attraper Geddy. Oh, il est trop mignon. Oh. Il faut pas que je le lâche par contre. Oh, d'accord. Vous dites Geddy ou Geddy? Bah, Geddy. Si je lâche de... Ah, ça va, ça a l'air d'aller, hein. Jedi. On dirait que le village abrite un fainéant, absolument. C'est toi le fauteur de troupes qui rôde dans ville, Otus? En tout cas, t'en as l'air. Absolument. T'as vu Assio qui se rendait chez le professeur? Pour quelqu'un d'aussi strict qu'Assio, il te pardonne bien facilement. Allez maintenant, sois une gentille chouette et retourne faire ton devoir. Absolument. Mais ça va, oui? Merde. Comme tu peux le voir, Asio, cet écran est au cœur de la machine. Il affichera la carte de la zone en temps réel. C'est ma plus belle œuvre. Je ne comprends pas. Et on a déjà des cartes. Des chouettes. Les chouettes les actualisent. Ne sois pas bête, Asio. Les îles volent et il reste si peu de chouettes. C'est le futur. Oh. Regarde, une toute nouvelle technologie d'œuvre. À l'œuvre, pardon. Yes, ça marche bien en tout cas. Hein. Cela ne me laisse froid. Zut, ça marchait parfaitement avant que t'arrives. Quelque chose a dû... Hein? Ton élève est dans mon labo, Asio. Otus, que fais-tu là? Ne lui saute pas dessus, Asio. Ce n'est pas un souci tant qu'il ne casse rien. Enfin, rien d'autre. Oh putain, la gueule qu'il fait, il est en mode... Oh, j'ai rien fait, moi! L'écran d'Asio, une calculatrice? On n'a pas dit Casio. Ne reste pas trop longtemps ici à rien faire. Sors patrouiller au cas où les pirates arriveraient. Oui, bon, ça va, oui. Pourquoi je m'en vais alors? Viens, mon copain. Du coup, patrouiller, c'est juste se promener dans le village ou faut faire quelque chose d'autre? Non, je peux pas aller au-dessus.
Bon, apparemment, ils peuvent voler tout le temps. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Solus? Tu vas patrouiller à la recherche des pirates aujourd'hui? Ou bien tu comptes t'enfuir si tu rencontres quoi que ce soit? Regarde-le, il est même pas capable de se tenir debout. Encore ces gosses? Oh non, on a un nouveau copain qui se fait bully. Ça va, mec? Oh, oui, merci. T'es l'un des élèves de Strix? C'est la première fois que je te vois. Ah oui. Phoebe et Bonacci sont mes camarades de classe. On est super potes. Tu t'appelles Solus? Écoute, tout à l'heure, ils s'en prenaient aussi à Otus. Ils t'ennuient, n'hésite pas à crier pour nous appeler. Merci les gars. Mais ils ont raison, je suis un couard. Ne parle pas de toi comme ça, mec. Écoute, pourquoi on... Allez, au secours! Mandoline! Ah merde. Oh! Ah, c'est le fauteur de trouble! Vite, Solus, appelle à l'aide! Otus et moi, on va le rattraper! Ah, ok. Otus, ramasse-moi et allons-y! Ah oui, hein, let's go. Oh, la musique de bras cassés. Même la musique a l'air de se foutre de notre gueule. Il est rentré dedans. Ah ah! Osus, regarde, c'est le fauteur te trouble! Enfoiré! Aïe! Ouch! Ah merde! Yo mon copain! Mais merde, j'arrête pas de le reposer sans faire exprès. Chiotte. Voilà. Oh putain. Chiotte! C'est que dès que tu prends un coup, le mec se barre, donc c'est chiant. Bah en fait, c'est une fois que tu... En gros, je galérais parce que une fois que tu le prends dans tes serres, bah c'est non seulement là où tu vises, mais aussi là où tu te déplaces, donc c'est chiant. Ah mais surtout que je peux pas me battre en fait. Lui, il sait pas se battre tout seul. Mais faut que je récupère mon pote, moi. Oui, je vais chercher le spot tout seul. Oui, bah attends, j'y vais. Oh putain. Ouais, mais ça va se refermer si... Ah non, c'est bon, d'accord. Je pensais que c'était un bouton poussoir. Okay. Ah, mais non, mais je peux le... D'accord, je peux le... Avec le joystick, je peux contrôler le tir. Ok. Pas l'instant, j'ai dit. Ah bah voilà, c'est mieux quand on se sert correctement des contrôles. Ah mais c'est de la pierre. J'ai dit, il peut pas taper la pierre. Non. Attends.
Aha! Attends, poteau. Deux secondes. Merde. Oh! Les thunes! Allez, viens, mon copain, on y va. L'argent! Ah oui, hein. J'aime bien le fait de poser notre copain pour faire des trucs et de le reprendre après, c'est mignon. Hein? Ah! Attention! Ah merde. Otus! Otus, reviens à toi! Oh non. Dis-moi que t'as rien, Otus. Oh là là! Je savais pas que cette grotte était si dangereuse. Accroche-toi, mon gars! Mais oui, mais... Ah bah voilà! Comme dans Mario Galaxy, pareil. Du coup, je pourrais me défendre tout seul. Ah yes! Ah bah voilà, là on peut jouer aux jeux vidéo. Ah mais ça les étourdit seulement. Bon, c'est déjà bien. L'ambiance elle est grave bien. Ah, dégage. Ouh. Ok. C'est stylé, moi j'aime bien pour l'instant, c'est trop bien. Ah. Un petit Cthulhu volant, ouais c'est ça. Mais le gameplay a l'air mou, mais peut-être c'est au début du jeu, parce que faut pas oublier qu'au début du jeu il a l'air nul le personnage, donc faut voir après s'il y a des améliorations ou quoi. Wouah, hourra, youpi! Je t'ai retrouvé, je suis vivant, et toi aussi! On est les meilleurs! Mais calme-toi, tu sais pas le moment de faire la fête. Il est en mode... Hein? On ferait mieux de sortir d'ici avant que ça s'effondre à nouveau, non? Ah non, hein, cassez-vous. Attends copain, je vais manger des baies. Je sais pas ce que c'est, mais... Petite myrtille, là. Nom, nom. Des sous! J'adore les pochettes surprises! Ah merde! Attends deux secondes, toi. Reste là. Mais.
faut que je récupère mon copain. Oh merde, j'ai pas fait gaffe. Aha ! Et du coup, on va pouvoir se servir de ça pour le remplacer. Genre, toi, dégage. Non, pas lui. Mais, merde ! Bon, attends. Ah ! Pardon. Ne vous inquiétez pas, il a rien. Voilà, et toi, bien. Jedi va très bien. Le copain qui survit une chute de 15 mètres. Mais oui, il va super bien. Oh merde! Oh merde! Pardon! Copain, ça va? Oui, ça va. Tout va bien. Et j'aime bien parce que regardez, quand il va vers le haut, il le regarde un peu en mode « Ah, fais attention !» J'aime bien. Ah! Non, pousse-toi, toi. Heureusement qu'il a pas de PV. Oui, heureusement qu'il a pas de PV. Je pense que sinon le jeu serait beaucoup plus difficile. J'ai dit le martyr, oh non. Ah! Oh bof. Bah, t'es tombé parfaitement bien. Eh mec, attends! Bah comment il a fait? Dis-moi, t'as trouvé quoi là-dedans? Wow! Oh putain. Bah oui, mais il a actionné le bouton. Oh putain. Ah, d'accord. Ok, facile. Ah non, pas facile. Ou pas facile du tout. Ça va, une fois qu'on a compris comment ça marchait, merde. Voilà. Merci, merci. Bon, ça va, c'était facile. Ah, je peux peut-être le lancer, le truc. Attendez. Hop. Oui, on peut le lancer. Ah, merde. Voilà, comme ça. Impeccable. Ah, oh, c'est toi. C'est quoi ça? Ça ressemble à une vieille relique chouette. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je crois qu'on ferait bien d'en apporter un fragment au professeur. Eh, je te tiens. C'est quoi ce truc? Ah! Ah yes. Impeccable, super. Otus, cet homme araignée nous a eu. Il faut se dépêtrer de ses toiles. Ouais, j'y vais, je suis à fond là. Énorme la voix du méchant. Tu crois que tu pourrais m'aider à descendre d'ici aussi? Bah moi je veux bien mais... Ah voilà. Tu peux le faire! Oui, super! Tu nous as sauvé la vie, Otus. C'est bien mon meilleur pote ça. Il est tout fier. Ok, avant de sortir d'ici, je vais prélever un petit fragment de cette relique.
C'est pas une bonne idée. Ah non, arrête. Bah yes. Impeccable. Oh. Oh, il est trop mignon, tu, j'adore la tête qu'il a, il est trop mimi. Qu'est-ce que c'est? On dirait un appareil avec un bouton. Étrange, si ça avait été fabriqué par des chouettes, ça devrait avoir des siècles d'existence, mais ça a l'air entièrement intact. Je me demande ce qui se passerait si on appuyait sur le bouton. Je te le laisse. Qu'est-ce que c'est? J'ai grenouillé, pardon. Étrange appareil, on dirait cadenas de collège. Un appareil disposant d'un bouton semble avoir été conçu par des chouettes ancestrales. Tiens, ça a l'air dangereux, je te le laisse, fais-le toi. Pardon. T'as vu, à moins d'importance que la mienne. Vas-y, Otus, appuie sur le bouton. Moi, je vais juste... me mettre là. D'accord, très bien. Ah! Oh! Waouh! Mais qu'est-ce que... Je viens d'être téléporté? Cette technologie est incroyable, les chouettes savaient faire des trucs pareils. Refais-le! Waouh! Attends de voir la réaction du professeur quand on lui montrera. Même si on devrait sortir d'ici tant que cette grotte tient encore debout. Alors si jamais un jour on fait le jeu en entier, je refuse de continuer de faire la voix de Jedi comme ça parce qu'elle me donne envie de gerber en fait. C'est une voix gutturale, elle fait un peu mal. En gros vous êtes obligé de... Je sais pas comment vous expliquer. En faisant cette voix là, la glotte, elle se colle un peu, vous voyez ce que je veux dire? Elle se colle un peu vers la... vers le fond de la gorge et ça donne... Oh, cette espèce de truc d'envie de gerber. C'est très désagréable. C'est un peu comme la voix de Kermit, elle ressemble un peu. Elle est bien cette voix. Non mais elle est bien, mais elle est juste... Ah, attends. Ah mais oui, du coup je peux faire ça. Et je pouque. C'est trop bien. Le jeu est génial. C'est trop bien comme jeu. Yay, bien joué mon pote. On est trop fort! Oh, je pourrais m'habituer à ces téléportations, Otus. J'aurais plus jamais besoin de marcher. Bon, retournons à... Oh non, encore une secousse, mais... On aurait dit que ça venait de dehors. Vite, Otus, allons voir ce qui se passe! Pourquoi il fait tout noir d'un coup? Ça fait combien de temps qu'on poursuit cet imbécile? Ça devrait toujours être le matin? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Oh, c'est hyper beau. Par contre, c'est hyper beau. Le jeu est hyper beau. J'étais censé monter la garde. C'est pas de ma faute. C'est un enfant, c'est pas de sa faute. Oh putain. Waouh, les effets de lumière, trop stylés. Pardon. Oh non, les pirates du ciel. J'ai pas encore eu le temps de réparer notre canot. On est sans défense. Amène-moi avec toi, si on reste ensemble, on courra moins de risques. Si on atteint le labo, tu pourras avertir Azio et le professeur. Ils sauront quoi faire. Ah mais je sais plus où c'est à droite le professeur. Mais il est où? Ah mais il est là lui, je l'avais pas vu. Oh, oh non. Ah! Il est où l'autre là? J'ai dit? Ah il est là. Ah mais du coup si je le perds je le téléporte à moi et c'est bon. Mais merde. Je sais plus où c'est. Il semblait que c'était vers la droite, je crois.
merde. Comment j'ai fait pour aller là, moi? Et je me suis coincée toute seule dans un endroit? C'est une blague? Ah non, c'est bon. Passe à si haut. Otus, où étais-tu passé? Rentre tout de suite. Et j'ai dit on laisse dehors ou comment ça se passe? Otus, tu étais censé monter la garde, où étais-tu? J'ai dit, tu aurais dû savoir que... Ah mais il est en bas. Asio, Asio, nous avons pas le temps pour ces chicaneries. J'ai dit, prépare cette machine pour que nous puissions apercevoir les pirates. Je vais faire de mon mieux, professeur. Yes. C'est comme ça que je répare des trucs chez moi. Essayez-la maintenant. Ah. Baisse technique. Ah, taper sur les choses. Hein. C'est étrange. Je ressens une sorte de secousse. Je me demande si le village se défend. Peu importe. Nous avons déjà trouvé ce que nous cherchions. Dois-je comprendre que la relique est en notre possession? Ouais. C'était là où cette petite chouette nous a menés, aucun problème. Excellent, il est donc temps de prendre congé. Non, on n'a pas fini, c'est l'heure du pillage! Ne soyez pas ridicule, nous n'avons plus rien à faire ici. Les ordres du capitaine Maelstrom étaient de poursuivre notre route et d'attaquer Avent. Avent? On va enfin attaquer la capitale? Absolument, le capitaine semble estimer que nos forces sont suffisantes. Et si nous obtenons également la relique cachée à Avent, nous serons encore plus forts. Bien sûr, le voyage sera risqué, nous devrons voler près du temple chouette. Assez chouiné, en route! Ah, très bien, allons-y. Oh. Ça marche, ce sont les vaisseaux pirates qui s'affichent à l'écran. Il semblerait que les pirates s'en vont. C'est juste, ça ne fait aucun doute. Pourquoi partent-ils? Des bisous, Maniacs! Bah, de toute façon, on a bientôt... Là, je vais finir, là. On finit, genre, l'intro, puis après, je termine. Merci à toi d'être resté, ça fait plaisir, Maniacs. Des bisous. C'est de mauvais augure. Asio convoque immédiatement un conseil municipal. Il n'y a pas de temps à perdre. D'accord. Otus, j'ai dit, suivez-moi. Cet instant, est-ce que les pirates ont aussi remarqué que les îles sont... Non, c'est peu probable. Tout le monde, silence. Tout le monde va bien? Ça va. Les élèves de Strix ont parti pister les pirates. Je crois pas que les pirates soient venus pour nous. Alors, quoi pirates faire ici? Écoutez-moi tous, nous n'avons pas le temps d'en discuter, mais relevé indique que les pirates se dirigent vers la capitale. Ils vont attaquer Avent? Oui, il faut avertir la ville et vite. Les vaisseaux pirates sont lents, mais ils ont de l'avance sur nous. Dans ce cas, nous n'avons plus le choix. Merci à con acento grave toi pour ton émission de qualité. On y apprense ton idée qu'au breve au coop de sos, ye, cara sonriente. Merci Maniax. Bonne nuit à toi, repose-toi bien, merci beaucoup. Dans ce... Yeah. Dans ce cas, nous n'avons plus le choix, professeur. Nous allons devoir utiliser le temple chouette comme mécanisme de défense. Ah oui, le temple chouette sépare les îles de la zone par son souffle depuis des décennies. En désactivant ses générateurs éoliens, les îles se rapprocheront et écraseront les pirates. Enfin, j'espère. Ainsi, les chouettes ancestrales peuvent-être nous aider à protéger Avent. Et Kaoulité, si. Otus! Tu te rendras au temple chouette. Le professeur et moi allons à Avent sans délai pour les avertir.
et personne d'autre ici ne sait voler. Est-ce que tu connais le chemin du temple ? C'est vrai, je devrais y aller avec lui, Asio. Bien. Attention, Otus. Si tu me déçois encore, les conséquences seront graves. Tu as mis notre village en danger en abandonnant ton poste aujourd'hui. Ne le refais plus. Oh non, il pleure encore, il renifle, vous le voyez là, juste en bas. Otus, j'ai dit professeur, préparez-vous à partir. Oh. Rends-toi au temple chouette aussi vite que tu peux. Ne me déçois pas, Otus. Garde, ouvrez les portes. Ah oui, d'accord, c'est autre chose. Enfin, les portes sont ouvertes, mettons-nous en route. Ok, bah écoutez, moi je trouve que c'était une bonne intro. En vrai, ce petit jeu, on va le garder de côté, ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Revenir à l'écran titre. C'était vraiment sympa. Ouais, il a level up le prof. Mais vraiment, ce petit jeu là, c'est qui l'a proposé? C'est Nemi, je t'en ai parlé? Non, en vrai, c'était cool. C'était chouette. Herculade! Ya wesh. Oui, c'était très très chouette. Effectivement, c'était chouette. Bon, eh bien, mes amis, je pense qu'il est temps pour nous de nous mettre là. Et de terminer ce stream. Je pense que c'est une bonne idée, c'est pas mal. C'était très cool. J'ai vraiment aimé le fait que ce soit un peu... Alors au début, c'est un peu bizarre parce que je sais pas où on va. On commence à traficoter, à aller sur les sites un peu au pif et tout. Google Art and Culture, c'est cool parce que du coup, en scrollant, on tombe sur des œuvres. Et du coup, bah, ça m'amène à cliquer un peu au hasard. Et le fait d'être tombé sur Signac par hasard, j'avais pas du tout prévu ça. J'étais en mode, bon, bah, let's go, en fait, trop bien. Et je vous envoyais un raid, bien sûr. Hein, restez pour le petit raid, au moins. Mais c'était plutôt cool. Je sais pas du tout, pour ceux qui connaissent la rêve de d'habitude, si ça vous a plu que ce soit comme ça, ou de temps en temps qu'on puisse un peu alterner des rêves préparés et des fois des rêves un peu plus en roue libre comme ça. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Bah, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas être souillon, on verra. Chez qui je vous envoie? Qui fait quoi, là? Attendez. Herman, il joue à Outward. Bulldog joue à Grounded. Ah, c'est le truc dans le jardin, ça. Oh, j'ai jamais raid Bulldog. On peut aller raid Bulldog. Je la connais, moi je la regarde, mais ça se fait d'aller raid quelqu'un qu'on connaît pas trop bien. Mais en vrai, on peut, ça a l'air trop bien, Grounded. Mais la personne, elle est en train de stream avec plein de gens, donc je sais pas, c'est un peu intimidant. Moi, je peux juste dormir. Et on peut choper de la rosée aussi, vous avez vu? Ça me fait tuer, attendez. Oh, allez, vous savez quoi, on essaye, hein. Pour une fois que je raid quelqu'un que je connais pas. Ouais, je sais, mais c'est juste que j'ai l'habitude de raid les copains, mais là, il y a les jeux auxquels ils jouent, ça m'intéresse pas spécialement, je vais vous envoyer chez Bulldog. Moi, je l'avais suivie parce qu'elle joue à des jeux chouettes et c'est une personne qui est agréable. J'aime bien, elle, des fois, de temps en temps, elle est sur ses streams et chill un peu. Donc, attention, elle a le petit macaron sacré. Hein. Attention, ça rigole pas. Allez-y, partez dans le raid. Moi, je vous fais des bisous. Et puis, merci parce que c'était vraiment trop cool. C'était vraiment, vraiment chouette. En tout cas, merci à vous. Et puis on se retrouve demain, 11h, à Ao le dernier Néandertal, si vous voulez regarder un film sympathique en matinée. Ce sera pas un stream très long, parce qu'on va juste regarder le film, je pense que voilà. Demain, film sur la préhistoire, comme d'hab. On continue nos dimanches un peu préhistoriques, moi j'aime bien. Je vais me réveiller en mode caca yeux, ça va être génial. Et puis let's go, ça va être très cool. Je vous fais des bisous, et puis passez une bonne fin de soirée. Il va être minuit là, donc et puis bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Prenez soin de vous, puis à demain, 11h. Des bisous, salut!